Bonjour les amis, bienvenue dans Vive l'Europe. Nous sommes revenus dans le Discord traditionnel, j'allais dire, de la deuxième ou troisième saison de Vive l'Europe, il me semble. Vous avez reconnu le canapé, je suis à côté de Rémi. Salut Rémi. Salutations Daniel, et merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à moi. C'est normal. C'est vrai que quand je suis en France, je fais un peu la tournée un peu partout là, et c'était difficile d'aller dans ton coin. Enfin, on va parler de toi, de ton activité. Alors, tu es musicien. Je ne sais pas si c'est une définition qui suffit, mais en tout cas, tu es compositeur. Musicien, compositeur et président du collectif Teuz. Donc, oui, c'est suffisant pour l'instant. Ce sont mes seules activités, oui. Hormis mon activité professionnelle, bien entendu. C'est vrai que je t'ai appelé Rémi, mais pour les gens, à mon avis, tu es connu plutôt sous le nom de Teuz, en tout cas ton collectif. Oui. Alors déjà, que ça veut dire Teuz? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ouais. Donc, en fait, c'est une... on va dire que c'est une... c'est en rapport avec un groupe de musique progressive français qui s'appelle Magma. Okay. Donc, qui tourne encore, mais qui, à la base, est un groupe des années 70-80. Et donc, ils ont une particularité, c'est qu'ils... ils écrivent leur musique et donc ils les chantent avec une langue qui est une langue qu'ils ont inventée en fait pour leur projet, quoi. Une D'accord. langue fictive, quoi, tu sais, comme, ah oui. comme Tolkien et les langues qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. Où, oui. Voilà, donc c'est une langue fictive et en fait ça signifie le temps. Donc c'est un mot de cette langue et qui signifie le temps. Voilà. Le temps, ouais, d'accord. Donc c'est une référence uniquement parce que. Bon, déjà j'aimais beaucoup la sonorité ouais. et la manière dont ça s'écrivait, et aussi voilà, c'est une référence à ce groupe français de musique d'avant-garde, quoi, qui oui. On va dire que c'est un peu dans la veine de ce qu'on fait, ou en tout cas de ce qu'on souhaite faire. Oui. C'est quand même fortiche d'inventer une langue. Après, je ne sais pas si c'était complet comme l'était la langue si, de leur Tolkien. Ah si, leur langue est quasi complète. Il existe même un dictionnaire sur wow. le net. Voilà, on peut même faire des traductions comme un reverso, tu sais, qu'on ouais. utilise sur Internet. Ouais, ouais, c'est une langue complète. C'est une langue qui a des sonorités un peu germaniques et slaves. Impressionnant. Voilà. En fait, c'est... Bon, alors bien sûr, ce n'est pas un groupe de droite, mais on va dire que dans leur univers, c'est très européen, donc c'est plaisant, quoi, pour une fois que c'est pas du délire oui voilà, que ça vient de chez nous, on va dire, de oui notre, voilà, voilà, c'est ça, ça vient de chez nous, ouais, ouais. Alors, qui dit collectif dit plusieurs membres. En fait, les musiques qu'on peut écouter sur tes espaces, c'est toi qui les composes uniquement, ou alors tu es avec d'autres amis? Comment alors, ça se passe? Ça dépend des musiques. D'accord. Ça dépend des musiques. La majorité, je fais un travail de composition sur la majorité des musiques. Oui. Mais il arrive parfois que certaines musiques qui sortent, soit sur un album, soit comme ça, juste sur Internet, il arrive que je n'y touche même pas. Oui. Ou au contraire, que ce soit moi l'unique producteur sur la musique. C'est aléatoire, en fait. Mais bien souvent, oui, soit d'autres musiciens, soit d'autres producteurs du collectif, ouais, qui travaillent sur on va dire, la globalité de ce qu'on produit. Ouais. D'accord, ouais, ouais. Mais la création pure de mélodique, je veux dire, ça, c'est globalement toi. Majoritairement, oui. Mm-hmm. Ouais. Quand tu dis que tu mets des musiques qui ne sont pas de toi, c'est-à-dire des musiques qui te plaisent et que tu vas insérer dans un album Non, des musiques qui sont produites pour le collectif par d'autres personnes du d'accord. collectif. Je comprends. Voilà, voilà. Ce collectif, il comprend des gens, parce que j'ai oublié de dire que tu es de la région du Nord, non? Enfin, ouais, ouais, c'est ça, du nord de la France. Ouais. D'accord. Ils viennent tous de là? Non, pas du tout. J'ai commencé avec des gens du nord de la France. Ouais. Mais par la suite, et très vite, ces gens ont déserté, on va dire. Et de ce fait, je me suis retrouvé à inclure dans le collectif des gens qui sont aux États-Unis, au Canada. Ah oui. La condition sine qua non à l'entrée. À l'entrée d'une personne dans le collectif, c'est le fait qu'elle soit de culture, on va dire, européenne ou occidentale, quoi. Bien sûr. Donc effectivement, on a des gens qui viennent de un peu partout sur la planète. La magie d'Internet, ça permet de créer des liens. Ouais, et puis surtout aussi de rassembler enfin les on va dire les Européens de souche dans un même combat, dans une même idée, une même volonté, quoi. Oui. Je pense qu'on subit tous les mêmes problèmes, peu importe oui. où on se trouve sur la planète. Les Blancs ont tous les mêmes problèmes. On fait tous face aux mêmes choses, donc pour moi, c'est pas c'est au contraire, c'est quelque chose de bien de chercher à travailler avec des gens qui sont oui. à 1000 ou 10 000 kilomètres.
Bon. Ouais. Oui, c'est comme si, en fait, c'est. Alors, on peut trouver ça un peu paradoxal quand on est dans le monde, dans le milieu du nationalisme. C'est en fait notre la manière dont on voit les choses. Mm-hmm. C'est un peu comme une forme de mondialisme, mais chez les identitaires, tu vois, c'est. C'est la fraternité blanche mondiale, voilà, si on veut dire ça, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas vraiment du mondialisme. C'est plus une fraternité, comme tu dis. Compris, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui préféraient un nationalisme plus national, plus chauvin pour les Français, plus ancré dans le... Oui, c'est vrai que c'est un combat au sein de la dissidence entre les souverainistes et les gens qui sont plutôt dans l'idée de... Voilà, alors bon, c'est ce qu'on disait juste avant l'émission, avec le collectif, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire de la métapolitique, donc ces histoires de chapelles, d'idées, de camps. Bon, nous, on passe complètement au-dessus. On est là pour passer au-dessus de ça. Mmh. Il y a des dangers plus importants, des menaces graves à l'heure actuelle. C'est clair. Donc, les petites guéguerres entre... C'est contre-productif. Hein, Quel est le critère d'appartenance au groupe en dehors de, on va dire, de cette appartenance culturelle à l'Europe? Je veux dire, c'est un type musical en particulier par exemple, si on a des musiciens qui nous écoutent, comment pourquoi rejoindre le collectif, tu vois? Alors, il n'y a pas de critères artistiques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à la base, on a commencé par produire de la musique industrielle martiale. Oui. Pour toute une tripotée de raisons, on a évolué depuis peu sur de la musique plus électronique. Oui. Tu sais, synthwave, rétro, peu 80, etc. Bon, ça, c'est plus mainstream, ça plaît plus. Moi aussi, j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas de critères artistiques. Je veux dire, on a de... J'ai celui qui s'occupe de faire nos vidéos d'ambiance pour les musiques, qui à la base est un street artiste. Donc, c'est quelqu'un qui fait du graph, etc. Ouais. Je précise que ce n'est pas un Français. Okay. Voilà, on a vraiment des gens qui pratiquent des genres artistiques, que ce soit de la musique, de la peinture, enfin, qui des fois sont à l'opposé. Voilà. À partir du moment où les gens sont sur, on va dire, plus ou moins la même longueur d'onde que nous, et que les productions vont dans le bon sens, et effectivement, on n'a pas affaire à de l'art... Dégénéré. Je ne vais pas dire dégénéré, puisque bon... je pense que artistiquement, il faut que les racines du genre que les gens produisent pour le collectif doivent être européennes ou occidentales. Oui, d'accord. Il faut pas qu'il y ait d'influence afro quelque chose ou machin. Il faut que ce soit blanc, on va préciser, voilà. On en entend assez à la radio, ça suffit. Oui, on commence à en avoir marre. Surtout, ça a empêché les cultures propres d'évoluer aussi. Ce multiculturalisme, ce mélange des cultures. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la musique française? La télévision, la radio, dans tous les pays environnants, c'est la même musique, c'est la même merde, quoi. Ou alors disons que s'il y a de la chansonnette qui peuvent rappeler ce que faisaient les chanteurs français autrefois, c'est très à gauche, quoi. C'est-à-dire, on va voir du Raphaël, on va voir du Calogero. Et c'est très dommage. Ouais. Moi, musicalement, ce n'est pas un genre que j'apprécie, la chanson, ce genre de chanson française, particulièrement, on va dire, en tout cas, ce qui se fait à l'heure actuelle, ce qui est récent. Mais je trouve que c'est très dommage qu'effectivement, la majorité des gens qui font ça soient des gens de gauche. C'est ça. Ouais. Parce que c'est de la musique, ce sont nos traditions, c'est populaire, identitaire. Et c'est dommage. Ouais. Mais il y a des gens qui, à l'heure actuelle, essayent de... Je l'ai pas encore reçu, je l'ai pas encore écouté, mais je viens d'acheter l'album de Romain Guérin là. Je pense que c'est de la musique à texte, et je pense qu'il y a quand même des gens de chez nous qui s'élèvent un peu en ce moment, qui essayent de reprendre ce qui nous appartient finalement. Mais c'est vrai que c'est finalement la comparaison est pas mal. On pourrait voir Romain comme un Calogero de droite. Sans lui faire un jeu, je pense que ça lui déplairait pas. J'ai pas eu le temps vraiment à d'écouter, mais je pense que c'est de la musique, de la chanson française à texte, quoi. Guitare-voix, tranquille. C'est très bien, c'est bienvenu, c'est beau, c'est chantant, c'est positif, ça change de... C'est une bonne chose. Tu disais que tu faisais de la musique industrielle martiale, et en fait, je réalise que... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, exactement? La musique industrielle, c'est un courant musical particulier qui est né, bon, on va dire, à la fin des années 70. C'est une musique... Actuellement, on ne se rend pas compte, en fait, de l'influence que la musique industrielle a eue sur tous les genres musicaux. Oui. C'est un genre de musique qui a eu des influences incroyables. On l'entend beaucoup dans les musiques de films, etc. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Souvent, en écoutant ta musique, j'avais l'impression d'entendre un film soit de suspense, soit d'horreur, avec des ambiances un peu sombres. Voilà, comme donc la musique industrielle a beaucoup essaimé là-dedans, et la musique industrielle martiale, en fait, c'est
Alors en fait, la musique industrielle, la musique industrielle martiale sont deux choses très différentes, qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs. Mais la musique industrielle martiale, oui, effectivement, c'est plus de la musique de film, de péplum, de film d'action, de musique un peu militariste, obsessionnelle, répétitive, violente, bruitiste. Voilà, c'est ça la musique industrielle martiale. D'accord. Et c'est un style qui est majoritairement pratiqué, écouté par des gens de droite, alors des gens d'extrême gauche aussi. Mais on a encore une belle part et un bel avenir dans ce genre musical. Mm-hmm. C'est un terrain qui nous appartient encore. Ouais. Et c'est agréable de se dire que culturellement, on a un genre musical qui n'est pas complètement rongé par le droit de l'homisme et toutes ces saloperies. Quoi. Donc, oui, finalement, tout est dans le titre, tout est dans le nom. Quoi. C'est des musiques, vous écoutez ça, vous avez envie d'aller au front. En gros. Oui, c'est pas, et puis surtout, c'est de la musique qui est dénuée de toute influence extra-européenne. Oui. Donc c'est de la musique blanche. C'est... T'as dit le mot interdit, je suis désolé, oui, je vais être obligé de te zapper, non, je rigole. Mais c'est un genre européen, voilà. Ouais, c'est pour ça aussi sûr. Que c'est intéressant, c'est pour ça qu'on s'était dirigé vers ce genre musical-là, en particulier quand on a débuté nos activités avec le collectif. Alors toi, en tant que Rémi, en tant que personne, comment tu as commencé la musique? Est-ce que tu as commencé par un instrument? Comment ça a commencé, en fait? J'ai commencé très tôt, puisque... mes parents m'ont envoyé faire de la musique parce que j'étais un jeune homme très nerveux, et donc il fallait canaliser. Comme le sport ne me plaisait pas à l'époque, on m'a envoyé faire de la musique, on m'a envoyé faire du piano. Ouais. J'en ai fait, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans. J'ai fait du solfège aussi. J'ai obtenu, bien sûr, les diplômes pour passer. Ouais. C'est comme l'école, c'est la même chose. Ouais. Et puis j'ai arrêté juste avant de pouvoir entrer au conservatoire, puisque ça ne me plaisait plus. Donc j'ai fait, peut-être 4 ou 5 ans de piano. Et puis ensuite, j'ai fait quelques années de batterie, ce qui m'a donné les notions par rapport au rythme, etc. Et j'ai arrêté à ce moment-là, j'étais assez jeune, c'était avant mon adolescence. Et puis, vers le milieu, la fin de mon adolescence, vers 15-16 ans, tout simplement, j'avais des amis qui voulaient faire de la musique et de chanter, ou même de rapper à l'époque. Je ne vais pas cacher ce que j'ai fait et d'où je viens non plus. C'était comme, c'est, puis j'étais adolescent de toute façon. Il cache son passé avec sa petite moustache raffinée. Absolument pas. On se dit, ça fait du rap, et oui. Non, j'en ai fait une période, c'est vrai. Enfin, surtout de la production musicale, mais j'ai fait des scènes aussi. Je le cache pas, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est comme ça. Et donc, j'ai repris les activités musicales vers 15, 16, 17 ans. Et j'ai commencé par ça. Et puis, en fait, très vite, enfin, on en parlera tout à l'heure, si on parle de la création du collectif, comment ça s'est fait vraiment, etc. Mais j'ai très vite embrayé, en fait, sur la musique industrielle. D'accord. Et je fais de la musique depuis tout petit, quoi. Par goût, en fait, c'est ce que tu aimais. Par passion, vraiment. Ouais, vraiment. Alors, je pose des questions qui peuvent paraître... c'est les questions d'un profane qui ne s'y connaît pas, donc mes questions peuvent paraître idiotes. C'est une musique qui est produite comment? Par ordinateur? Par synthétiseur? Alors, encore une fois, ça dépend des musiques. Oui. Ça dépend des groupes. Mm-hmm. Ça dépend des goûts, des gens qui produisent. Alors, si tu prends notre camp en particulier, la majorité du travail sur... c'est pareil, ça dépend de quel style. Oui. On va dire que ce qu'on fait actuellement, c'est 80% de travail informatique. D'accord. Donc, logiciel, MAO, enregistrement, etc. Mais... dans la majorité des cas, je m'arrange quand même pour enregistrer un instrument à côté, autre que de manière informatique. Je comprends, ouais. Donc c'est un mélange, en fait. C'est un mélange. Maintenant, on fait des musiques qui sont uniquement instrumentales et je ne me sers pas forcément d'un ordinateur. Ça arrive aussi, ça dépend. C'est aussi en partie mon activité professionnelle. Ah oui. Donc ça dépend de la demande. C'est vrai. Ça dépend de plein de choses. Voilà. Mais par passion, j'ai tendance à généralement mélanger les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Mmh. Vu qu'avec le temps, à la base, je jouais uniquement donc, ce qui possédait un clavier, donc du piano. Mais en fait, avec un clavier, maintenant, on peut jouer absolument tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. On peut faire un son de guitare avec un synthé. Absolument tout. Et comme je touchais un peu, pareil, mes billes en batterie, en percussion, c'est pareil. Les percussions, il en existe 1000 sortes différentes. Des batteries, c'est pareil. On peut régler ça comme on veut. Donc, c'est infini, quoi. Oui, oui. Donc... j'ai appris par la force des choses aussi à jouer d'autres instruments, donc un peu de guitare, un peu d'accordéon, un peu de... En fait, un peu tous les instruments, même les instruments avant, etc. D'une manière très minime,
Je suis pas un virtuose de la trompette ou du cor, mais quand j'ai envie d'en mettre dans une musique, je m'entraîne un petit peu, puis j'enregistre et puis j'arrive à sortir quelque chose d'écoutable. Donc par la force des choses, j'ai fini par jouer de beaucoup d'instruments, on va dire. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu, je sais pas si tu le considères comme péjoratif, est-ce que tu rejettes le qualificatif expérimental ? Parce que moi, souvent, quand j'ai entendu, je me suis dit, bah, c'est quand même de la musique expérimentale, dans le sens où il faut quand même prévenir les spectateurs qui t'ont jamais entendu. C'est une musique, il faut y prêter attention. C'est pas quelque chose qui va forcément t'embarquer comme une danse de l'été, quoi. Alors, bon, après, ça dépend si on part dans les concepts et qu'on commence à parler de, parce que les, voilà, la musique expérimentale, c'est de la musique conceptuelle, forcément. Ouais. Enfin, majoritairement, en tout cas. Alors, ce qu'on produit actuellement, la musique plus électronique, plus wave, plus dansante, tu vois, vraiment rythmée, en fait, qui pourrait passer en club, etc., puisqu'on m'a déjà d'ailleurs proposé de mixer dans des clubs, donc ces musiques-là, donc c'est que ça plaît. Si tu veux, ces musiques-là, ça n'est absolument pas de la musique expérimentale. Quoi. C'est vrai. Un revival qui a eu il y a quelques années sur ce genre musical-là particulier qu'on a décidé de produire, puisque Xurious, par exemple, ou Normisphère, qui avant avait un autre nom que je ne prononcerai pas, puisque voilà, mais qu'on écoutait beaucoup il y a 2-3 ans, ces gens-là sont des gens de droite qui ont fait ce genre musical et qui ont créé, on va dire, ce qu'on appelle maintenant de la fashwave. Oui. Bon, c'est pas le qualificatif que moi je donne à ma musique, mais on en fait partie, quoi. C'est je dans vais cet, pas. C'est cet dans héritage. Cette, c'est, ouais. c'est dans cette veine-là. Maintenant, donc ça n'est pas de la musique expérimentale. Par contre, je ne réfute pas le qualificatif expérimental lorsqu'on parle de nos productions industrielles de il y a un an, ou notre premier album, ou ce qu'on a fait encore au début, qui était vraiment des choses qu'on ne trouve plus sur Internet, mais qui étaient vraiment de la musique expérimentale. Oui, je comprends. En fait, par moments, ça m'a fait penser à certaines BO de David Lynch, c'est-à-dire des ambiances, donc il y a son compositeur favori, Badalamenti, mais lui, il est plutôt mélodiste. Mais vraiment, des fois, j'avais l'insentiment de voyager dans l'univers d'un David Lynch, en fait. C'était assez agréable. C'est gentil. Bah oui, non. C'est... c'est pas voulu, mais... Et voilà. Bon, après, c'est assez... comme je disais tout à l'heure, moi, je le suis, mais aussi les autres membres du collectif. On est des gens assez pragmatiques, on est des gens assez ouverts au niveau musical. Donc, on produit plusieurs genres musicaux, on écoute aussi plusieurs genres musicaux. Donc là, bon, voilà, on va travailler sur ce nouvel album de Music Wave, mais il est fort probable qu'après cet album, on prenne un tournant radical et qu'on fasse un nouveau genre musical. J'ai déjà 1000 choses en tête. Enfin, je ne suis pas le seul à les avoir en tête, donc je pense que voilà, le but c'est de créer, c'est de constamment se remettre en question, de voir ce qui fonctionne, de voir où est-ce qu'on peut évoluer, ce qu'il y a à faire et de faire quelque chose d'original. Je me vois pas produire de la musique industrielle martiale toute ma vie ou de la musique wave toute ma vie. D'accord, tu veux changer de style. De toute façon, je suis obligé de le faire puisque je fonctionne comme ça depuis toujours. Donc voilà. C'est... Pour pas t'ennuyer toi-même, tu vas explorer d'autres univers. Sinon, on se ferait chier. Faut avouer. Est-ce qu'il y a quand même des genres musicaux auxquels tu es complètement hermétique des choses que tu... Oui, il y a des genres musicaux auxquels je suis hermétique. Le rap. Oui. Le reggae, le jazz, dans une certaine mesure, il y a des groupes de jazz que je peux écouter, mais ce sont des groupes de jazz très particuliers. Généralement, ce sont des groupes français, comme Magma. Ouais. Et puis la musique commerciale, je suis hermétique. Alors j'en écoute par la force des choses, puisqu'on entend, on en entend partout. À la radio. Et ouais. De ce fait, je l'analyse, je la découpe, je vois comment on fait, ce qui perce, ce que les gens utilisent, comment la musique évolue. Voilà, je vis pas dans une grotte. Au niveau de ma consommation propre de biens culturels, je suis hermétique à ces genres-là. Reggae, rap, commercial et le jazz, quoi. Je te pose cette question parce que, comme tu es musicien. En fait, bon, moi, je suis mélomane, j'aime écouter de la musique, mais je ne suis pas du tout musicien, compositeur, créatif. Ouais. Et en fait, j'écoute quand même la musique qui passe tous les jours à la radio et je constate une africanisation. Totale. Tu vois, c'est-à-dire qu'on pouvait se moquer des groupes des années 90. Ouais. Même quand c'est des boys bands et tout, on était dans un truc qui évoquait au moins les États-Unis à défaut de l'Europe ancestrale. Alors que là, on est vraiment sur un truc à mi-chemin entre un esprit new-yorkais et en même temps du rap. Et ça partout. Ça, c'est vraiment. C'est l'africanisation de notre culture. Ouais. C'est.
j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui... je veux dire, s'il n'y a pas une révolution, ça ne changera pas, quoi. Oui. Parce que c'est en train de s'ancrer dans les mœurs et dans les esprits, et c'est horrible, quoi. Ouais. On détruit les cultures ancestrales des peuples. C'est incroyable. Il y a une africanisation totale de la musique occidentale. Ah ouais, les rythmes, les rythmiques. Les rythmes. Et si ça n'était qu'une question de rythme. Ouais. Et ça n'est pas que ça. C'est aussi dans l'image, dans les paroles, dans la mentalité. C'est un tout, quoi. C'est de la propagande. Et on doit bien avouer que culturellement, il y a un fossé entre les Européens et les Africains. Ah, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais ce qui est malheureux, c'est que je vous dis, moi, maintenant, à cause de ça, on transforme des Blancs, des jeunes, en Africains. C'est plus des Européens, non, en fait. Non, ce ne sont plus des Européens. Et ce qui est fou, c'est de voir que cette même musique est diffusée dans tous les bars d'Europe. Même dans des pays qui actuellement ne sont pas remplacés ethniquement. Et ça, tu te dis, mais ça fait vraiment mal au cœur. Tout le monde écoute la même chose. De la même manière qu'il y a des McDo, des KFC partout, et ben, il y a la même musique. C'est moins flagrant dans les pays qui ne sont pas remplacés. Oui. Moi, je trouve que quand on va dans certains pays d'Europe centrale ou pays d'Europe de l'Est, ils sont moins atteints quand même. Il y a quelques pays où il y a la culture du rock encore et de l'électro. Oui, et puis dans les pays scandinaves, on écoute aussi du black metal. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est des musiques qui ont su percer à une époque dans ces pays-là. Mais effectivement, tu as raison. Et quand tu parles, par exemple, du McDo, du KFC, en fait, c'est une globalisation qui fait qu'en fait, les identités n'existent plus. Toutes les grandes villes sont les mêmes, toutes les grandes villes se ressemblent, on a les mêmes structures. Mais c'est parce que... on nous pointe du doigt souvent comme des occidentalistes. Oui. Du fait qu'on travaille avec des Américains, que notre musique racines occidentales mais américaines. Alors, moi, j'ai toujours réfuté le terme d'occidentalisme parce que je n'en suis pas un. Je ne suis pas pro-russe non plus. Oui. Je suis pro-européen à 100%. Voilà. Et le souci, si tu veux, c'est qu'en fait, c'est ces musiques dont tu parles et les McDo et tout ce qui s'ensuit, en fait, c'est l'américanisation de notre société. Mmh. C'est l'aboutissement de cette chose. L'Amérique étant actuellement une société multiculturelle, il se transpose chez nous. Et si tu veux, moi je pense que les Américains sont un peu plus communautaristes que nous. Mmh. Et donc en fait, je trouve que toutes ces choses, cette africanisation de la société, de notre culture, des mœurs, etc., a beaucoup plus d'impact en France, par exemple, qu'en Amérique. Ah oui. C'est beaucoup plus massif là-bas, chez eux. Ouais. Mais je trouve que ça impacte beaucoup moins les gens, les Blancs, je parle des Européens. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, là-bas, ils font la part des choses, alors qu'ici, ça peut clairement pousser au métissage, par exemple. Ici, les Européens de souche ne font pas la part des choses, puisque à cause de la religion, des droits de l'homme et de l'égalitarisme, un Blanc, un Noir, c'est la même chose dans l'esprit des gens. Donc, les cultures se valent, tandis que les gens sont un peu plus communautaristes aux États-Unis et dans d'autres pays, par exemple. En Angleterre aussi, par exemple. Oui, c'est vrai. La France, c'est quand même très atteinte, hein. Il faut pas se le cacher, hein. C'est sûr. Ouais. Voilà, on est là pour changer les choses, combattre et reprendre ce terrain-là. C'est notre but, hein. Moi, je fais passer mes idées avant ma propre vie. Depuis que j'ai opéré mon suicide social, quand j'ai créé le collectif, parce que ce que j'explique souvent à qui veut bien l'entendre, et ce que je dis, c'est que à l'origine, moi, je viens du, j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu culturel classique, donc j'ai côtoyé tout ce monde de gauche, etc. Je précise que j'ai jamais été un gauchiste, j'ai jamais été de gauche. Même à l'époque où je travaillais là-dedans, je m'éloignais des gens qui étaient un peu trop à gauche pour moi ou des projets qui ne me convenaient pas. Seulement, je n'exprimais pas mes idées. Oui. Mais j'ai travaillé dans ce milieu-là et j'ai opéré mon suicide social quand j'ai quitté ce milieu-là, quand j'ai assumé mes idées de manière publique, etc. Oui. Donc voilà, j'ai opéré un suicide social, j'ai perdu tous mes amis, j'ai perdu mes proches, j'ai eu des soucis encore avec les antifas à l'heure actuelle, on m'a fracturé ma boîte aux lettres un nombre incalculable de fois, on me menace dans la rue. Tu sais, quand t'as ta gueule affichée dans les journaux de ton secteur, de ta région, et puis en plus, quand tu as côtoyé de loin les antifas et tout, parce que quand tu travailles dans le milieu culturel, tu produis des concerts, etc. Ouais. T'as toujours les zozos antifas qui viennent, les machins, etc. Donc, ils me connaissent. Oui. Donc,
voilà, je me suis suicidé, quoi. J'avais pas grand-chose, mais j'ai tout perdu à l'époque. Donc, depuis ce temps-là, moi, je fais passer mes idées avant ma propre existence. Donc, je suis sincère quand je dis que notre but, c'est de reprendre le terrain culturel et de se battre. Je veux dire, c'est une lutte à mort, quoi. Ouais. Non, mais c'est beau ce que tu soit dis. Soit on gagne, justement, soit on disparaît. Voilà. On n'a pas le choix. J'allais te poser la question ensuite, mais c'est vrai que tu as répondu. J'allais te dire, est-ce que ton objectif, il est militant ou artistique? Finalement, c'est un peu des deux. Il est militant et artistique. Par contre, alors les gens ne comprennent pas, mais mon objectif n'est pas politique, par contre. Oui. Il est militant et artistique, mais il est culturel et il n'est pas politique. Oui, bien sûr. Ou alors il est métapolitique, mais pas purement politique. La politique bien ne sûr, m'intéresse ouais. absolument pas. Mais on le voit justement avec l'influence des médias de gauche, que même en produisant de la culture, on peut atteindre à la part politique de l'esprit des gens. Ah, mais de toute façon, alors après, c'est pareil. On a un slogan dans le collectif. Ouais. D'ailleurs, il est affiché sur le site et généralement, j'essaye de le placer quand il y a des entrevues, etc. Je le place. On a un slogan. Pour l'instant, on n'en a qu'un. C'est un slogan qui dit « L'art pour l'art est une stupidité bourgeoise ». Parce que, alors en fait, ça, c'est une référence. L'art pour l'art, c'est une, on va dire, une, pas une école de pensée, mais enfin, plus si, ou moins, on pourrait dire une ça, école ouais. de pensée, une pensée artistique française, comme par hasard, ouais. Qui dit qu'en fait, l'art est dénué de toute propagande, de toute attache au politique ou au réel, et que c'est uniquement la recherche de quelque chose, du beau ou du laid, ou peu importe. Alors que bon, on sait très bien, depuis déjà la Grèce antique, si on s'intéresse un peu à ces choses-là, que le l'art, la culture, n'est jamais, jamais, jamais apolitique. Elle est toujours politisée. Même si moi, je fais quelque chose qui n'est pas politique, le fond, le background de la musique ou le culturel est forcément politique. Toujours une parole, rien que la manière de se tenir, tout est absolument politique, et la culture surtout. C'est d'ailleurs, après la politique, c'est la chose la plus politique au monde. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui me disent non, je... Et voilà. Qui ne, de ce fait, ne veulent pas consommer... Ce sont des gens qui ont nos idées, mais qui ne veulent pas consommer les groupes de musique qui ont les mêmes idées que nous. Exactement. Voilà, parce que l'art pour l'art. Bon, bah, je... Bon. Oui, finalement, c'est l'idée de créer pour se divertir. Oui, pour, mais bon, je veux dire... si on estime que les Européens disparaissent et qu'on veut sauver notre peau et continuer à être un chaînon entre nos ancêtres et nos descendants et à faire renaître notre culture, nos patries et notre patrie charnelle qu'est l'Europe, il faut être partisan d'un militantisme radical et total. Bah oui. Donc faut dire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc les biens culturels, selon moi, sont des biens consommables comme absolument tous les biens, comme la nourriture. Et quand on est un militant et qu'on veut changer les choses, on fait attention à absolument tout ce que l'on consomme, autant la nourriture que les films, que la musique, et on ne consomme pas des biens qui font la promotion des idées inverses aux nôtres, ou qui sont produits par nos ennemis. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Retenez bien ce que vient de dire Rémi, parce que le nombre de gars que je sais, je le sais à l'écran, qui sont abonnés à Netflix, les gars, ça, c'est de l'argent donné à l'ennemi, ça. Vous comprenez quoi. Alors après il y a tout sur Netflix. Il y a malgré de tout, tout. Et puis surtout la musique. La musique. Comment est-ce qu'on peut souhaiter une Europe blanche et en même temps écouter du rap afro-français? Oui. C'est paradoxal. C'est une antithèse, quoi. C'est pas possible. Et les gens qui se cherchent des excuses, alors soit ce sont des gens avec un bon niveau culturel, assez intelligent, donc. Ils sortent ce truc de l'art pour l'art. Et pour ceux qui n'ont pas les capacités de réflexion ou qui ne connaissent pas ce genre de choses, généralement, on nous parle de voilà, ils ne veulent pas se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Ou alors le produit à consommer n'existe pas chez nous. Oui, bah oui. Soi-disant. Oui. Ce qui est totalement faux, puisque rien que ces trois dernières années, il y a eu, rien qu'en France, l'émergence de dizaines de groupes nationalistes qui font dans tous les genres musicaux. Et si on prend ceux qui sont ailleurs sur la planète, il y a des centaines et des centaines de groupes. Donc, peu importe ce que l'on écoute, langues, on peut toujours retrouver. Voilà. Oui. Donc, les gens, en fait, ne souhaitent pas faire l'effort. C'est tout. Oui, non, mais finalement, c'est comme le. Majoritairement. En quelque sorte, c'est comme un boycott alimentaire. La métaphore que tu as fait avec les produits de consommation courante, elle est tout à fait juste. C'est-à-dire, en fait, acheter un artiste, c'est nourrir sa création, c'est nourrir la production. Et donc, en fait,
Bien sûr, vous n'avez pas forcément l'argent d'acheter toutes les productions nationalistes, mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous achetez, même par curiosité, quelque chose qui va contre nos idées, ben en fait, vous le nourrissez. Et bien sûr. Faut jamais oublier et puis, ça, en et fait. Puis, hein. Et puis, on n'est pas forcément obligé. Alors, si on a, si on n'a pas les moyens, on a peu d'argent, ou si on n'est pas forcément obligé non plus de d'acheter la musique nationaliste, on peut aussi tout simplement l'écouter. C'est vrai. Voilà. Oui, simplement. Hein. C'est tout. Moi, je considère que quand on a des idées, on va au bout de ses idées, on vit selon ses idées. Oui. C'est, il me semble que c'est Ezra Pound qui disait « Si un homme n'est pas prêt à se battre pour ses idées, soit ses idées ne valent rien, soit c'est lui qui, c'est l'homme qui ne vaut rien. » Exact, ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, très juste. Alors, j'ai une question de créatif à créatif, même si moi, je ne suis pas musicien. Quelle est as-tu une méthode de composition? Laquelle est-elle? Les gens qui commencent à faire la musique, est-ce que tu as des conseils ou ce genre de choses à donner? C'est deux questions différentes. Oui, c'est alors, vrai, c'est deux questions qui alors, se... Au niveau de mon processus de composition, on va dire que c'est assez large. Je peux... En fait, je suis constamment en train de composer de la musique dans ma tête. D'accord. Ah oui, bah, ça, ok. C'est un peu dérangeant parce que c'est obsessionnel. Non, mais... Et donc, en fait, le fait de produire de la musique, ça me permet de souffler, de vider ce que j'ai dans la tête et de... Voilà. Oui. Donc, en fait, je suis constamment en train de composer de la musique. Tous les jours, à chaque moment, ou d'écrire. Ou... Donc, généralement, je branche mon synthé. Ouais. Et je joue quoi, et je trouve. Ou... Après, ça dépend, puisque bon, parfois j'ai envie de composer d'une manière différente. Alors, je commence par la batterie, ou je commence par des percussions, ou je vais enregistrer des sons. Ça m'est déjà arrivé dans une usine ou dans la rue. Voilà, c'est mon processus de création, de composition et c'est assez large, c'est très large. Ouais. Ça n'est pas, j'ai pas quelque, c'est pas quelque chose de défini en fait. Non, mais c'est génial parce qu'en fait, on voit que pour passer du 0 au 1, c'est-à-dire à l'absence de création, à une œuvre achevée, en réalité, quand vous n'êtes pas artiste, vous ne savez pas comment, il n'y a pas de formule. En fait, moi, j'aurais fait la même réponse pour l'écriture. Il y a des gens qui me demandent comment on commence un roman ou une nouvelle ou un texte. Et en réalité, j'aurais dit la même chose que toi. C'est qu'en fait, une idée me vient et parfois, je marche dans la rue et je fais tout le truc dans ma tête et après, je la couche sur papier. Et c'est la même chose pour la musique. Bah, je fais la même chose. Et justement, pour rebondir là-dessus, par contre, s'il y a des gens qui te demandent comment commencer un roman, etc. Alors, c'est pareil pour la musique, c'est la même réponse. Mais c'est une question d'envie, en fait. Oui, c'est vrai. C'est uniquement une question d'envie. Bon, après, bien sûr, il faut les capacités, il faut avoir les instruments, il faut savoir le faire, mettre en pratique, etc. Mais c'est uniquement une question d'envie, en fait. On a l'envie ou on n'a pas l'envie. Si on n'a pas l'envie, ça ne sert à rien de se forcer. C'est vrai. Après, l'inspiration crée l'envie. Les gens qui n'ont pas d'inspiration ne s'y mettent pas. Oui, c'est ça. L'inspiration, c'est pareil. C'est très large. Oui. Moi, je vais te dire, par exemple, j'ai côtoyé beaucoup de musiciens. Mm-hmm. Je connais des gens qui ont fait des années au conservatoire, qui sont des virtuoses, sincèrement, qui sont des virtuoses, qui te jouent les plus grands compositeurs classiques au piano ou avec d'autres instruments. Les yeux fermés, ce sont des musiciens à pleurer tellement ce sont de véritables artistes. Et pourtant, ces gens n'ont jamais rien composé. Ouais. Ils ne font que jouer. Ça paraît curieux. Ce sont des interprètes, ils ne composent rien. Et à contrario, la majorité des artistes que je connais, donc des gens qui composent, sont des gens qui ont, comme moi par exemple, qui ont beaucoup moins de capacité de technique. Et de technique, mais qui par contre ne font que composer et créer à longueur de temps. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Que la technique est une sorte de... qui peut devenir une barrière quand elle est trop, trop développée? Non, moi je pense que c'est une question de mentalité en fait. Ouais, d'accord. Je pense que c'est uniquement, comme je disais, c'est une question d'envie. Je pense pas que ce soit une barrière ou pas, je pense que c'est uniquement une question de mentalité. Il y a des gens qui ont un niveau incroyable au niveau de la technique, mais qui ne ressentent pas le besoin de composer, de s'exprimer, de... C'est tout, c'est l'art, que ce soit la musique ou autre. Après bon, moi je suis pas... j'écris un peu, mais je suis pas écrivain ou quoi que ce soit d'autre, ou peintre, enfin... Je touche un peu à tout, mais je suis pas, voilà, je touche surtout à la musique. Je sais pas. Oui, c'est une question de. Bah c'est difficile. En fait, je pense que c'est une certaine sensibilité. Les gens qui créent sont des gens qui ont une certaine sensibilité. D'accord. Je sais pas si c'est ton cas, mais. Si, j'attendais que tu termines, mais c'est la même chose pour moi. J'ai remarqué que souvent les gens qui sont créatifs. Sont des contemplatifs, ils ont tendance à ils sont très dans l'observation, ce genre de choses, dans l'imitation même de ce qu'ils voient dans la vraie vie.
C'est vrai. Donc je te demandais, donc là c'est plutôt la part de l'intuition. Toutefois, après l'idée, il y a le travail. Est-ce que par exemple tu te fixes une durée de travail quotidienne, ce genre de choses? Alors ça dépend. Si je travaille, si c'est un contrat. Ouais. C'est du travail professionnel, mais dans le domaine de la musique, effectivement, oui, je travaille non-stop pour finir le projet, pour arriver au bout du projet. Par contre, quand c'est pour le collectif ou pour moi, pour mon propre plaisir, absolument pas. Il y a pas de, je m'impose aucune règle, aucune limite. Je t'avoue que parfois, il m'arrive d'ouvrir les rideaux et de voir qu'il fait jour et que les gens sont dans la rue. Il est 8h du matin. J'ai joué toute la nuit. Je me suis absolument pas rendu compte. Oui, d'accord, c'est en fonction du processus. Des envies, ouais. De la musique. Il m'arrive par exemple de commencer une musique et puis au bout de 20 minutes, je me dis, bon, en fait, c'est de la merde, quoi. Et puis, j'arrête complètement. On met au placard, on fait autre chose et puis après, on y revient. Alors quoi. Qu'il m'arrive de bosser 15 heures d'affilée sur une musique, quoi. Vraiment, d'accord, quoi. Ouais. Non-stop, ça m'arrive. D'accord. Je crois, parce que globalement, ce que j'ai écouté de toi, c'était plutôt instrumental. Et je crois avoir entendu chanter à un certain moment. Est-ce que c'était ta voix ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça dépend de la musique. Alors, il y a certaines musiques sur lesquelles, effectivement, j'ai chanté, puisque bon, même si je ne suis pas un ténor, je ne chante pas faux. Donc, c'est quand même assez appréciable de pouvoir ne chanter et ne pas chanter faux. Alors j'ai chanté effectivement sur quelques musiques, oui, mais notre musique est une musique dans sa globalité qui est une musique instrumentale, pour diverses raisons, mais à terme il est possible qu'il y ait de plus en plus de musique, ça fonctionne mieux, les gens se reconnaissent mieux quand il y a des textes, et moi j'écris beaucoup, donc c'est pas le problème de l'inspiration et des paroles, c'est plus le fait que c'est pas mon domaine de compétences propres, quoi. Oui, c'est donc, pas ce que tu préfères. Mais le jour où j'ai un chanteur qui me dit qui propose une collaboration, oui, ce sera sans problème, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, en plus des parties chantées, il y a pas mal d'extraits audio, notamment d'allocutions, de conférences, des choses un peu politiques. Exactement. Quel est le but de faire ça? C'est mêler un petit peu l'histoire à la musique, à l'art? Alors, il y a plusieurs buts. Parfois, ça parle en allemand. Voilà, c'est tout ce que je veux. Un indice chez vous. Ça parle en allemand, mais ça parle en français, aussi, ça parle en italien. C'est, bon. Alors, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est caractéristique de la musique industrielle martiale. D'accord. La musique industrielle martiale, une musique sur deux, il y a des discours. Oui. Des discours, des allocutions, des meetings, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas ce qui est dit c'est caractéristique de ce genre musical. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé et que je fais encore beaucoup, même dans la musique wave. Et que je, mais tout simplement parce qu'en fait, comme il n'y a pas de paroles, parfois ça remplace les paroles. Et quand on entend la voix de quelqu'un, tiens, on reconnaît ou on entend. Récemment, j'ai sorti une musique. Qui s'appelle Europa Invicta. Oui. Donc en référence à la page Europa Invicta, qui est super d'ailleurs. Magnifique. Je mettrai un lien vers cette page. Qui font des magnifiques visuels et qui envoient un message positif. Exactement, et de reconquête. Et c'est absolument ce qu'il faut, une bouffée d'air frais. Ça, quoi. Ouais, tout à fait. Quelque chose de neuf. Ça rappelle la grandeur de notre continent, de nos peuples. Oui, et le fait que. La décadence, alors je sais le Kali Yuga tout ça, mais c'est pas quelque chose de, comment dire, de irrémédiable. Voilà, bien sûr. Et il y a encore c'est à dire que effectivement il y a un déclin de la société, il y a moins de désir, on a l'impression que les Occidentaux ont moins envie de vivre qu'avant, de manger le monde, on va dire. Ils ont envie de mourir. Exactement, mais il y a une jeunesse qui a encore un désir de grandeur. Oui. La nôtre. Et on l'incarne. Voilà, on est cette jeunesse-là. On est les seuls. Ouais. On est les seuls à le faire. Mm-hmm. Et eux transmettent un bon message. Et donc, je t'en prie. De ce fait, donc cette musique qui est en référence à leur excellent travail, et aussi puisque le terme Europa Invicta est un terme, c'est esthétique, c'est plaisant, c'est vrai, passe le message. Mm-hmm. Puisque j'utilise beaucoup d'anglais dans nos titres, parce que effectivement c'est la langue internationale, on va pas le nier, même. Mais le latin est aussi la langue européenne. C'est vrai. Donc, à terme, et on a d'autres titres musicaux qui ont des noms latins. Mmh. Donc, dans cette musique, j'ai découpé certains passages d'un discours très connu de Enoch Powell, qui est un ancien politicien anglais. Mmh.
Et le alors c'est son discours le plus connu. Il me semble que c'est Speech of the River. Enfin, c'est les rivières de sang, le nom du. Oui. Je ne sais plus la traduction exacte en anglais, le sens, mais c'est les rivières de sang effectivement. Donc j'ai pris du Enoch Powell. Et... Donc Enoch Powell, un des premiers au Royaume-Uni à avoir alerté les gens sur le danger du grand remplacement ethnique. Ouais. Et à la fin des années 70, c'est les années 80, quoi. Ouais, vraiment, ça a été. Il a tout de suite vu. Un visionnaire. C'est ça. Quel serait l'aboutissement, on va dire, du multiculturalisme? Des portes ouvertes à l'immigration sur une petite île comme l'Angleterre. Tout de suite. Il a dit que parce que ce discours fait suite à l'arrivée d'une loi en fait en Angleterre, loi de regroupement familial, je crois, quelque chose comme ça. Non, qui est une loi qu'on pourrait qualifier d'antiraciste en fait. Ouais. Et donc il a vu tout de suite que ce genre de loi allait permettre en fait aux extra-européens d'attaquer les Européens en justice. Ouais, il a fait toutes les étapes dans sa tête. En fait, ce qui se passe actuellement, quoi. Exactement. 30 ans avant, alors que ça n'existait pas, lui il a dit ça va être comme ça. C'est vrai. À ce niveau-là, c'est mieux que Nostradamus, quoi. Non, c'est vrai. Donc, mais Enoch Powell a été. Et malheureusement, en France, il est très peu connu. C'est vrai. Il y a une propagande à faire, enfin, en tout cas, un revival. Il faudrait voir vraiment. Mais en fait, le problème, c'est que le milieu nationaliste français est très fermé, en fait, au monde anglo-saxon. Et par manque de connaissance de la langue anglaise, mais aussi suffisance. Par suffisance, mais il ne faut pas nier le fait que beaucoup sont financés par la Russie aussi. Ah, ouais. Alors, je ne trouve pas que ce soit dommage qu'une partie de l'extrême droite soit financée par la Russie, puisqu'il faut du financement. Hein. Ouais. Peu importe d'où vient le financement, si on utilise le financement pour bon escient, moi, ça ne me pose pas de problème. Mm-hmm. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le monde anglo-saxon parce que tout simplement, les Russes ont beaucoup d'influence dans l'extrême droite. Et aussi, alors, ça, je ne partage pas. Par contre, il y a une autre raison aussi à ce rejet du monde anglo-saxon. Et par contre, là, je partage. Mm-hmm. C'est pour ça que je ne suis pas occidentaliste, parce que je partage ça. C'est vrai que nous sommes sous domination culturelle américaine. Oui, ça, je ne le nie absolument pas. Non, mais c'est subtil, mais les gens doivent comprendre. Quand on parle du monde anglo-saxon, par exemple, on parle d'Enoch Powell, il s'agit d'un identitaire nationaliste anglais blanc. Et après, quand on parle de l'influence américaine, on parle de cette culture cosmopolite de merde, finalement, qui n'est ni blanche ni africaine, mais un mélange des deux. Alors qu'il existe les WASP aux États-Unis, tout à fait, une culture blanche, identitaire. Bien sûr. Quand on vous parle de cinéma américain qui envahit le monde, on parle du mauvais cinéma. Bien sûr, on parle des cinémas indépendants des années 70-80 américains, il y a des très belles choses. Même dans le cinéma mainstream, il y a eu des très bonnes choses. Ouais. Enfin bon, voilà. En fait, il y a un problème, c'est que les gens ne savent pas voir gris, ils voient automatiquement blanc ou noir. C'est vrai, ça c'est très français aussi. Hein. On colle beaucoup d'étiquettes en France. Et c'est énervant. Ouais. C'est énervant. Voilà. Moi, je ne suis ni du côté russe, ni du côté opposé. Et je n'ai absolument rien contre l'un ou contre l'autre. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais tu as raison de souligner là-dessus. On a l'impression que dans certains pays, avoir un parcours transversal, par exemple, est valorisé. Et en France, c'est mal vu. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent subi. Les gens disent, tu peux pas être sérieux, t'es un artiste, t'as les cheveux longs, quoi. Je dis, mais quel rapport? Genre, je peux pas m'intéresser à la politique parce que j'ai un look d'artiste. Enfin, mais c'est profond, les gens le pensent vraiment, c'est quand même dingue. Non, c'est vrai, je pense que tu as raison, c'est très français. Ouais, bah en tout cas, c'est... Et on a une mentalité de merde, hein, c'est reconnu partout sur la planète. Hein. le français est un con. Hein. Oui. Un mec qui râle tout le temps, il fait chaud, il râle, il fait froid, il râle. On met la droite au pouvoir, il râle, on met la gauche au pouvoir, il râle. Le français râle pour tout. On va dire grincher quand t'es au sommet du monde, c'est pas très grave, mais enfin quand tu dégringoles comme les Français aujourd'hui, voilà, un peu plus d'humilité s'il vous plaît. Parce qu'on a été, il faut reconnaître qu'on a été la nation la plus puissante du monde, on a été le pays le plus important du monde. Moi j'aime à penser qu'on est encore un des pays les plus importants du monde, de toute façon ça se vérifie. Oui, effectivement, on est dans une période de décadence totale. Qu'on chipote quand on est les meilleurs et qu'on a on a champ libre, c'est ça, pour se prendre la tête, et bon, pourquoi pas. Oui. Et là actuellement on est en train de mourir, on n'en est plus là. Donc voilà, moi les gens qui m'embêtent, qui m'agacent avec toutes ces choses, toutes ces guerres de chapelle ou toutes ces, moi je ne réponds même pas. Oui, c'est ça. Je passe absolument au-dessus. On a une phase un peu d'humilité, on essaie de voir ce qui marche à l'étranger ailleurs dans le monde blanc et qui peut fonctionner pour appuyer ici. Et selon moi,
Ce qui marche, c'est les projets culturels métapolitiques et qui n'abordent pas les sujets politiques. Mmh. Comme ça, pas de guerre de chapelle, pas de voilà, et c'est tout. C'est ça. Ouais. Le but, c'est de gagner. C'est clair. Moi, je veux pas perdre. Moi, le mec qui passe son temps sous pseudo avec une photo de je sais pas quoi, avec un faux compte, qui est constamment en train de descendre les gens, oui. Et qui descend les gens, qui bougent, qui militent, etc. Ces gens sont néfastes, ils sont contre-productifs et il faut purger notre propre milieu. Il faut le purger, quoi. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que l'art permet de réussir cet œcuménisme qu'on ne parvient pas à faire sur un plan strictement politique. Je donne un exemple. C'est vrai que moi, j'ai eu une éducation catholique, mais il se trouve qu'au fur et à mesure de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas la foi. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect politico-religieux. Toutefois, je serais enchanté d'entendre de la musique sacrée écrite par des nations. Je la relayerai immédiatement. Je trouverais ça fantastique parce qu'en plus, je l'écoute. J'écoute la musique baroque, j'écoute la musique religieuse ça de l'histoire européenne. Eh ben, je serais ravi que tu m'envoies ces liens-là. Ça existe. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui fait de la musique classique. Et malheureusement, il faudrait que je me mette en contact avec lui, mais ça existe. Je D'accord, sais que ça existe. Ouais. Bah, tu vois, là, j'ai touché juste. Mais en tout cas, c'est pour dire que vraiment, c'est deux niveaux. Moi, je me sens encore profondément, culturellement, catholique. On va dire, catholique. Oui, parce que l'Europe a été catholique aussi. Mais je veux dire, c'est pour moi, ça fait partie de nous. Oui, bien sûr. Quand j'écoute du Bach, pour moi, c'est vraiment mon sang palpite. Ben, moi, je suis d'accord. Mais ton sang bouillonne. Mon sang bouillonne, ton voilà, c'est palpite, ça, pour être juste. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, je suis. Alors, je ne suis pas catholique, je n'ai même pas été baptisé, pour dire. Par contre, alors je me suis intéressé au catholicisme, je me suis intéressé aussi aux religions païennes auxquelles je porte de l'estime. J'ai de l'estime pour les véritables païens comme j'en ai pour les véritables catholiques. Oui. Et je suis le premier à dire que effectivement culturellement la France est la fille aînée de l'Église et est un pays catholique. Oui, c'est puisque vrai. C'est vrai, puisque nos ancêtres étaient catholiques. Alors les gens disent ouais mais non, nos ancêtres étaient païens et ben oui mais bon, depuis 1500 ans nos ancêtres sont catholiques. Bien sûr. Alors moi je ne crache ni sur les uns ni sur les autres. J'aime les catholiques trades qui sont des Européens et qui ont plus ou moins les mêmes idées que nous, hormis sur le plan religieux, mais au moins sur les idées, on va dire, de fond philosophique, politique, etc. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont néo-païens, mais qui pratiquent cette forme nouvelle de paganisme. Oui. Parce que la majorité des néo-païens que j'ai rencontrés, et je précise que la majorité des païens que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés avant de rentrer dans le milieu nationaliste. Oui. Et c'était il y a déjà une paire de temps, et c'était déjà comme ça dans ce milieu-là. Et la majorité des gens qui se prétendent païens et qui s'énervent quand on en discute et qui crash sur les catholiques constamment sont des gens qui en fait font un barbecue le jour du solstice et ont un tatouage avec une rune sur le bras et c'est leur seule manière de vivre le paganisme. Alors ces gens-là, je les considère pas comme des païens. C'est un peu de la pose, on va dire. Mais le problème, c'est que 80% des néo-païens sont des poseurs. Et 80% des néo-cathotrades sont des poseurs aussi, quoi. C'est ça. Et tous ces gens se prennent la tête entre eux, que, bon, voilà, arrêtez, quoi. Oui, en général, ça n'en vaut pas la peine, quoi. Ceux qui ont sincèrement la foi n'ont pas besoin de démontrer quoi que ce soit aux autres. Non, ils n'en ont pas besoin. Donc, ils font leur vie et puis... La foi, c'est personnel. Bien, exactement, oui. C'est tout. Alors, j'ai dit à un de mes amis que tu allais passer dans l'émission. Alors, c'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup. Ah. Mais il m'a quand même posé une question un peu embarrassante pour toi. Et je la trouve très intéressante, cette question. Ouais. Il m'a dit, la musique de Rémi, elle est super, mais elle est assez lugubre. Alors, est-ce qu'il ne pense pas qu'il y a un désaccord, je dirais, entre l'aspect un peu sombre, menaçant, lugubre de ces sonorités et la volonté d'harmonie qu'on cherche un peu dans le milieu national? Non, il a raison. Ouais. Il a raison. C'est aussi pour ça qu'on a changé de style musical récemment. D'accord, d'accord. Puisque, on va dire que... Pensez printemps, les amis. Bon, c'est exactement ça. Il faut penser printemps. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de style musical. Il d'accord. a totalement raison. Sur ce qu'on a produit depuis des années, la musique industrielle martiale est très souvent... Mais ça lui plaît, hein. Lugubre. Mais simplement, il disait, voilà, est-ce que ça n'a pas un effet déprimant, même si c'est beau, une espèce de mélancolie comme si. Ça dans laquelle on se... Si, et c'est d'accord. pour ça qu'on a changé de style musical. D'accord. Ok. Voilà. Intéressant, ouais. Bonne réponse. Voilà. On ne peut pas dire mieux. La vieille ployée sous le poids des fagots. Mais elle était robuste, dure à la tâche, âpre au gain. Sous la lune,
Je distinguais sa silhouette brisée, d'apparence si frêle. Avec son bois sec sur le dos, ses doigts crochus, son corps osseux, elle me faisait songer à un arbre mort. Une vieille chouette en réalité. Je lui adressai le bonsoir en la croisant à l'orée de la forêt. Promptement, elle m'envoya au diable, en me menaçant avec son bâton, l'œil méchant, un silex dans la voix. La vieille avait un caractère de chat sauvage. Depuis le temps que je la connaissais, j'avais toujours été séduit par cette sorcière qui vivait à l'écart du village. Solitaire et rebelle, intrépide et coriace, cette vagabonde de la nuit était un mystère. Je la regardais souvent ramasser du bois, humble trésor de son foyer, et m'attardais ainsi jusque tard dans la nuit sur ce fantôme anguleux, sur cette ombre aux allures de fable. Tantôt je la comparais à un épouvantail en route vers des paysages morts et silencieux de la lune. Tantôt je me la figurais haute des clochers, chevaucheuse des vents ou spectre des cimetières. Je voyais en cette glaneuse de bois un être fabuleux. Elle rentrait tard dans sa chaumière sans confort, rapportant ses pauvres fagots. Peu après, sa fenêtre s'éclairait au cœur de la nuit. Avec sa maigre fortune sur le dos, son feu de misère, ses haillons d'un autre âge, la vieille me faisait rêver sous les étoiles. J'ai oublié de te parler d'un truc essentiel, c'est que tu as été, comme beaucoup, exclu de YouTube récemment, c'est-à-dire que tu as perdu ta chaîne. Alors, suite à ça, tu as remis une bonne partie de tes compositions. Et pas qu'une. Mais alors, certains, on comprend que certains aient été dégagés de YouTube par rapport aux discours nationaux qu'ils peuvent porter, parce que ce sont des leaders d'opinion, etc. Mais alors, un musicien, explique-moi en quoi un chant peut être faf. Les paroles. Oui, alors tu penses que c'est ça? Non. Oui. Puisque il y a pas de parole. Mais c'est pour ça. Non, oui. En réalité, on n'est pas les seuls à avoir sauté. Il y a des milliers de groupes qui ont sauté partout sur la planète, quasiment au même moment. Beaucoup en Allemagne aussi. Ouais. Beaucoup de groupes de black metal. Beaucoup de groupes de chez nous, avec notre on va dire de notre famille de pensée, mais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas de notre famille de pensée, mais qui sont des gens qui en fait. Se lave les mains du politiquement correct. Oui. Et donc, en fait, à partir du moment où on n'est pas dans le politiquement correct, on est en fait tout de suite assimilé à des discours haineux. Et d'accord. Voilà. Moi, sur notre chaîne YouTube, qu'en plus, j'avais nettoyé quelques semaines avant, était complètement clean. Tu avais enlevé les vignettes qui pouvaient évoquer la Seconde Guerre mondiale. Et il y en avait très peu, puisque je ne suis pas un Gogol 88. Ouais, il y a des gens qui prétendent que je suis un Gogol 88. Ça n'est absolument pas le cas. Ces gens ne me connaissent pas. Ne connaissent pas non plus les gens avec qui je travaille dans le collectif. Ça n'est le cas de personne. Donc j'avais fait un nettoyage au préalable sur la chaîne parce que je savais que ça allait arriver, on en parlait déjà, etc. Et quand c'est arrivé, j'ai été étonné de voir que ma chaîne avait sauté, puisqu'il n'y avait aucune raison. Curieux, ouais. Mais bon, ça a été comme ça, j'ai pas été le seul, il y a beaucoup de chaînes qui ont sauté. Et donc, si tu veux, on avait une chaîne de sauvegarde qui était tenue à l'époque par le bras droit du collectif,
donc qui était mon secrétaire, on va dire. Ouais. Et d'autres personnes aussi qui ont publié nos musiques sur YouTube, comme ça arrive quand on sort des albums, sûr, tout ça. Donc actuellement, on trouve encore certains de nos titres sur YouTube. Mais en tout cas, nous, le collectif, nous ne publierons plus rien sur YouTube. Ah oui. C'est terminé. D'accord. C'est... je ne sais pas si tu as eu l'occasion de... J'ai écrit un article sur le site de nos amis de Nous Sommes Partout oui. concernant justement ce que les gens ont appelé l'adpocalypse. Ouais. C'est cette purge, la purge ouais. De YouTube. Et je conclus l'article en disant qu'en fait, c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Puisque, si tu veux, le système, il nous laisse vivoter dans un coin. Mm-hmm. Voilà, l'extrême droite, entre parenthèses, puisque ouais. On nous laisse exister, vivoter sur Internet... Mais en fait, on n'est pas très dangereux, quoi. Oui. On nous laisse vivre. Et là, ce fait... J'ai perdu 4 ans de travail, hein, quand même. Hein. Mmh. Et puis, tous nos abonnés, etc. Ça m'a mis un coup. Hein. Dur. Je l'avoue, hein, ça m'a mis un coup. Mais j'en ai tiré du positif et j'en suis heureux parce qu'en fait, c'est un électrochoc. Et ça te rappelle qu'en fait, le premier ennemi à abattre, c'est le système. Oui, oui, oui. Et c'est le système qu'il faut abattre. Et donc, YouTube nous combat. Eh ben, très au bien. Moins, les camps sont bien délimités maintenant. Voilà, c'est délimité. On sait à quoi s'attendre. Maintenant, les gens qui continuent à rester sur YouTube, alors je comprends, c'est facile, c'est facile d'accès, c'est facile à publier, c'est la plus grande plateforme du monde, tout le monde va sur YouTube, etc. Ouais. On a perdu énormément de followers en passant sur BitChute, on a perdu énormément de monde qui ne sont pas ça, des gens, sûr. Voilà. Mais c'est la guerre. Donc moi, je conseille à tous nos amis et à tous les gens qui ont les mêmes pensées que nous, quand vous avez quelque chose à publier, une musique, une vidéo, quoi que ce soit, vous passez sur BitChute ou sur des sites d'autres similaires. D'autres plateformes. Ouais. Libres, qui ne sont pas censurés. Et... Maintenant, on a aussi Telegram qui remplace un peu les réseaux sociaux. Peu Telegram, peu. Alors bon, c'est plus une messagerie qu'un réseau social. C'est vrai, mais moi, je conseille Mind. Moi, je conseille Mind. Oui, c'est vrai. Ouais. Mind ou Gab. Ouais. Voilà. Donc, moi, on est passé là-dessus. Tous les gens du collectif sont passés là-dessus. J'essaye de pousser le plus de monde à passer là-dessus. Après, on peut aussi rester sur Facebook et YouTube, mais, mais il faut en aussi complément, passer on peut avoir le, sur ces réseaux-là. Parce que si tu sautes, au moins, tu as... Bien sûr, tu as cette sauvegarde, alors, on va dire. Bon, je suis désolé, je suis un peu volubile non, sur non, le sujet. Non, je t'en prie, mais attends, c'est toi l'invité. Sur ce sujet en particulier, ouais. Je trouve que moi, il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook et YouTube et qui, en fait, se plaignent constamment de se faire striker, de se faire bloquer leur compte, ils recréent des comptes. Ils sont constamment en train de se plaindre. Oh, Facebook, la dictature, la pensée unique. En fait, ils restent dessus. Et en fait, ils restent dessus. Et en fait, ça leur plaît parce qu'ils se sentent exister. Ils se disent, oh, regardez, je suis un peu traqué, je suis striké de ouais, YouTube. Ouais. Voilà. Ça leur plaît, en fait, de jouer les petits, le vilain petit canard. Voilà. Ouais. Et en réalité, ils ne veulent pas lutter parce que s'ils voulaient lutter, ils seraient passés sur des réseaux annexes comme nous on a fait, des réseaux qu'on ne peut pas censurer. Pour créer du solide, ouais. Pour créer du solide, pour créer du réseau, etc. Et en fait, ils se plaignent, remarque, mais ça leur plaît, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors ce que font les gens le plus pertinent maintenant, c'est éventuellement maintenir une présence sur Facebook, Twitter, YouTube et parce rabattre que vers parce d'autres. Parce que c'est nécessaire. Voilà, parce quoi, que le c'est temps nécessaire. Que la transition vers d'autres. Il faut aussi être bon en communication. Ouais, donc il faut rester sur Facebook et YouTube, mais il faut rabattre sur les autres. Ouais. Mais alors, pour être concret, quel a été l'argument de YouTube quand ils ont fait sauter ta chaîne? Est-ce qu'il y a eu une... incitation à la haine raciale. Ah oui, d'accord, par musique. Il y a des sonorités. Oui, oui, des sons d'orgue, peut-être des bruits de bottes, peut-être. ouais. Que sais-je, autre chose. D'accord, ouais. Incitation à la haine raciale. J'ai fait une demande, bien sûr, pour récupérer la chaîne. Je sais pas, j'ai eu une réponse négative. Négative, ouais. Donc, voilà. Ouais, bon, c'est quand même complètement fou, quoi. Alors, pour rester sur la musique, parce que je voudrais aussi te poser des questions sur le nord de la France. Oui, avec plaisir. J'aime beaucoup ma région. Bah justement, voilà, on va y venir. Mais comment les gens peuvent te rejoindre? Y a-t-il des produits artistiques qu'ils peuvent acheter? Où peut-on te trouver? Est-ce que de tête, tu te souviens des noms, je veux dire, un nom de page ou un site web? Des nôtres. Ouais, ouais, oui, bien de sûr, Teuse, de toi. Ouais. Eh bien, c'est simple, il suffit de taper Teuse dans Google, T-H-E-U-S-Z. D'accord. On a un site web. D'accord. C'est le premier résultat. Que ce soit .com, .fr, .eu, on a acheté les noms de domaine. Donc, d'accord, c'est S-Z, c'est pas le contraire. Hein. T-H-E-U-S-Z. D'accord. Ça fait un peu slave d'ailleurs, mais ouais, bon, comme j'ai des origines slaves, ça ne me dérange pas. Ouais. Donc, on a un site internet, oui. On a une page Facebook, mm-hmm. On a un compte Bandcamp. Donc, pour l'écoute, on a une chaîne BitChute. Donc, pour d'accord. ce qui est de l'écoute et du téléchargement, bon, ça se passe sur BitChute et Bandcamp. A posteriori, ça se passera sur notre site, mais bon, on l'améliorera
Ouais, en temps voulu, voilà. Pour l'instant, c'est Bandcamp, BeatChute et Facebook. Et alors, notre premier album est toujours disponible en version physique. Mm-hmm. Alors, c'est de la musique industrielle martiale, par contre. Il est toujours en vente sur le site du label School Line. Mais bon, si on va sur notre site ou sur nos pages, voilà, on trouve facilement le lien. Je mettrai un lien vers tout ça. Ouais. Ceci dit, je ne te conseille pas de mettre le lien et je ne conseille pas aux gens d'acheter notre album en version physique. D'accord. Puisque on est assez en froid avec notre label. Alors, vous pouvez le faire, hein, ça me dérange pas, mais... soyons très clairs, c'est que ça ne t'apporte pas d'argent. Ça ne me rapporte rien. Oui. Et ça rapporte à quelqu'un avec qui tu t'es fâché, oui, en gros. Donc... Bah, je ne me suis pas fâché, ouais. C'est juste que ce sont des gens incompétents. D'accord. Bon. Et voilà, moi, je n'aime pas les incapables, donc voilà. Je suis en froid avec eux. Mais par contre, on peut toujours télécharger le premier album soit gratuitement, mm-hmm. ou soit à prix libre. En fait, toutes nos musiques sont en téléchargement à prix libre. Donc, tu donnes 0 euros ou tu donnes 100 euros. Quoi. D'accord, tu, ok. Si vous voulez nous soutenir, voilà. On peut le faire uniquement de cette manière, puisque le collectif, et ça c'était une volonté pareille dès le départ, le collectif n'est pas déclaré de manière légale. Oui, vous n'êtes pas une asso, vous n'êtes pas un... C'est-à-dire que moi, si demain je me fais arrêter, le collectif continue de tourner. Intéressant, puisque, ouais. La majorité des gens avec qui je travaille utilisent Telegram, des comptes privés, des VPN, donc c'est très difficile, ce sera très difficile de nous faire taire, ouais, à terme. Oui. Quels sont, après c'est peut-être un peu secret, mais quels sont vos projets à venir en fait, des types musicaux que vous voulez aborder, peut-être d'autres formes d'art, je ne sais pas. Alors, il y en a une multitude, on pourrait en parler pendant 10 heures, quoi, mais on va dire grosso modo. Ouais, pour mettre l'eau à la bouche. Alors, grosso modo, je conseille aux gens d'aller écouter nos derniers titres, surtout ceux que je vais publier dans les semaines qui viennent. Ouais. Donc, la musique qui bouge, un peu électro, mais en même temps européenne. Si on aime les années 80-90, on y trouvera son compte. Et comme c'est plutôt nos générations, c'est vrai. Généralement, ça nous plaît, on va dire. Ouais. On va sortir un nouvel album, un second album, dans ce genre musical-là. Alors, ça fait plusieurs mois que je cherche un label. Je ne trouve pas, parce que si tu veux, tous les labels historiques de la musique industrielle martiale sont en train de mettre la clé sous la porte. D'accord. Ils ferment partout en France, en Allemagne. Et les labels, on va dire, de droite, sont soit à bout de souffle, soit trop spécialisés. D'accord. Donc, on peut trouver, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, il est fort probable. Oui. D'ailleurs, j'ai discuté avec un Italien, un camarade à moi qui s'appelle Solimano, qui est l'homme derrière le projet Toulosenzurt in den Maschinenzeit. On le prononce Tzidz. D'accord. C'est un peu compliqué. Tzidz, même moi, je n'arrive pas à le prononcer. Et c'est un projet très connu dans le milieu de la musique industrielle martiale. D'accord. Il est connu mondialement. Quoi. Donc, les Français qui écoutent ce genre de musique le connaissent bien. Voilà, donc c'est un camarade à moi. Et il est dans la même galère que nous, puisqu'on rame ensemble, puisqu'il cherche aussi à faire éditer un nouvel album et il ne trouve plus de label, puisque tout ferme. Donc, en fait, il est fort probable que Tuz devienne un label dans les semaines, D'accord. dans les mois qui viennent. Ah, tout simplement. Alors, premièrement, pour nous autoproduire. Oui. Alors, moi, je suis contre à la base l'autoproduction. Oui. Par idéal. Oui. Parce que bon, alors j'écris aussi des articles sur la culture, la nécessité de la culture et de la contre-culture. Ouais. Moi, je pense que s'il n'y a pas un gros rassemblement, une grosse base stable, avec des fonds, avec des gens qui gravitent, etc., on ne peut pas lancer un mouvement contre-culturel puissant. Ouais, il faut, c'est sûr. Il faut un label mère, tu sais. Ça a toujours fonctionné comme ça, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est pour c'est ça un peu que par défaut pour l'instant, tu vas. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais contre l'autoproduction, parce que je voulais un label partageant nos idées, quelque chose qui puisse grandir. Moi, ça ne me dérange pas de donner 80% de l'argent que je gagne en vendant mes CD à des gens qui militent. Qui font le boulot pour que tu sois connu, moi, ça, etc. Et puis qui partagent nos idées. Oui, tout moi, à ça, fait. Moi, ça ne me dérange absolument pas. L'argent, c'est pas, ça ne m'intéresse pas, l'argent. Donc. Bah, c'est surtout que c'est un métier en soi, la distribution. De la même manière plus, que moi, je suis devenu éditeur parce que je n'avais pas le choix. Mais j'aurais préféré me concentrer sur la production artistique et que quelqu'un s'occupe de ma promotion. Moi aussi, moi, je te l'avoue. Par contre, c'est pas quelque chose que je ne connais pas, puisque j'ai toujours vendu des CD. Donc, tenir un label, c'est pas quelque chose qui va me poser beaucoup de problèmes. Donc, si tu veux, Tuz va devenir un label avec cette personne et aussi avec d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, d'abord pour nous autoproduire, et puis ensuite, une fois qu'on se sera autoproduit, aussi bien lui que moi, l'argent qui restera, qui n'ira ni dans ma poche ni dans la sienne, ira pour produire des nouveaux artistes, de jeunes artistes, D'accord, de nouveaux groupes entièrement, si possible leur payer des sessions en studio, un bon mixage, etc. Et voilà, je pense que
Il faut lancer la bataille culturelle de manière frontale. Ah, c'est bien, tu es très motivé, ta personnalité attachante, très énergique. À chaque fois que les gens me rencontrent, de toute façon, c'est la chose qui retient, c'est ma motivation. Effectivement, j'ai une motivation ça m'étonne moi-même d'ailleurs parfois. C'est des caractères et des gens comme ça. Stop constamment en fait en train de faire ces choses quoi. Mmh. Et j'ai le travail aussi à côté. Alors le travail me prend, mais je suis mon propre patron, donc ça va, ouais. je négocie mes horaires comme je le souhaite, et surtout je suis indépendant, je suis pas salarié, et c'est aussi ça c'est précieux, ouais. C'est la liberté, hein. Mmh. Tu gagnes ton propre argent, personne te pose de questions, tu en fais ce que tu veux, c'est voilà, l'argent c'est l'esclavage et la liberté en même temps. Oui. Voilà, non mais c'est l'énergie, c'est important, c'est que on a tout un monde à reconstruire, on a un continent à reconquérir réellement et psychologiquement. Bien sûr. Et il faut bien avouer que le milieu de l'extrême droite française puis la défaite. Et oui, c'est ça. Rempli de dépressifs. On est constamment. Alors après, je jette pas la pierre. Hein, chacun a ses parts de marché, évidemment. Mais on est constamment dans l'information négative. C'est-à-dire que toute la journée, le mec, il est sur son Facebook et il est abreuvé de Georgette, 85 ans, était violée par un migrant. Constamment, toute la journée, des informations comme ça qui te rendent malade. La tristesse, on la ressent tous face à une actu qui est déplorable. Mais d'un autre côté, au quotidien, il faut bien créer des choses. Il faut du positif. Voilà, il faut, faut lutter. Moi, je comprends que le milieu pue la défaite et que les gens soient dépressifs. Parce que quand constamment, toute la journée, tu es dans des meurtres, des machins et tout, tu deviens malade, vraiment. C'est sûr. Il faut sortir de ce cercle infernal et il faut créer, composer, créer, y croire. Et puis surtout, il faut avoir un mode de vie plus sain, c'est-à-dire il faut être actif la journée, il faut faire du sport, il faut manger correctement, c'est un ensemble. Je veux dire, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est totalement vrai. Hein. Si on se sent mal physiquement, on se sent mal mentalement. Hein, Bien sûr. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup trop de temps devant leur ordinateur, en fait. Je rigole parce qu'au moment où tu dis ça, une épreuve qu'on a à subir, c'est qu'il y a des tam-tams dehors. On entend les djembés, sa gueule en africain, c'est magnifique. La culture française de souche. Voilà, mais là, vous l'entendez peut-être pas parce que les micros sont directionnels, et tant mieux pour vous. Alors, est-ce que tu as toujours habité dans le nord de la France ? C'est ta région de naissance ? Oui, c'est ma région de naissance. Est-ce que dans ta musique, c'est un peu subtil, mais est-ce qu'il y a une coloration, une atmosphère qui pour toi évoque le nord ? C'est une jolie question. C'est la première fois qu'on me la pose, c'est une super question. Bah justement, je vais rembrayer parce que du coup, on parlait des projets. Ouais, j'ai pas. Bon, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait une coloration particulière parce que je suis du Nord et que les premiers membres du collectif étaient du Nord. Parfois, par contre, il peut y avoir dans certaines musiques des sons que j'ai enregistrés dans notre région. Donc, qui parleront aux gens qui connaissent, qui ont déjà entendu ces sons, qui sont des sons spécifiques de ma ville ou de. Voilà. Par contre, pour embrayer là-dessus. Je souhaite déclarer une association là sous peu. En fait, j'ai déjà le dossier. Il me reste à déposer le dossier et que je monte avec ma compagne et des amis, un ami d'enfance. Alors le nom de l'association ce sera sûrement Le Pont, un pont. Voilà, la passerelle ou le pont. Enfin, et pour créer en fait, c'est un pont entre le passé et nous actuellement et le futur quoi. Et en fait, je veux faire produire un CD. Alors là, c'est pour ça que je suis obligé de monter une association parce que c'est un budget énorme. Et donc, je veux absolument faire des demandes de subventions parce que je peux pas sortir cet argent de ma poche. On parle de 10 000 euros quoi. C'est moi, je peux pas. Je les ai pas actuellement. Je veux faire éditer un album physique de musique et des musiques, des réinterprétations des musiques traditionnelles de ma ville et de ma région. Intéressant. De l'Artois et de. Alors, pas flamande, puisque mon flamand, il y a déjà beaucoup de. La culture flamande n'est pas morte. Par contre, la culture artésienne, elle est morte, elle n'existe plus. La dernière fois qu'on a imprimé et qu'on a pressé de la musique culturelle aragoise, donc de ma ville, enfin traditionnelle aragoise ou du Pas-de-Calais, artésienne, de l'Artois, c'était 1960. Ah oui, là, ça fait longtemps. Ça n'a pas été fait depuis. Et c'est possible de réanimer ça ? Il y a encore des traces ? Oui, bien sûr. Il faut aller chercher les musiques dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Où est-ce que c'est stocké à l'État ? Il faut aller chercher aux régions, etc. Il faut tout réécrire, les partitions, et les réinterpréter, les enregistrer. C'est un travail monstre. Et il y en a au moins pour 10 000 euros, je dirais même plus. Quoi. Ah oui. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, vraiment. Quoi. Tu vois, je ne suis pas que danteuse. Quoi. Je suis aussi... Mais c'est intéressant. Dans plein de trucs à côté, quoi. Et là, quoi, c'est ma ville, quoi. C'est... Pendant que tu parles, ça me fait penser à quelque chose sur l'impact de la culture.
me revient en tête un souvenir. Vous savez, cette chanteuse mainstream qui est Nolwenn, qui avait fait la Star Academy. Nolwenn Leroy. Qui est bretonne, bien sûr. Ouais. Et en fait, bon, c'est une femme qui n'est... Je crois qu'elle est ni de droite ni de gauche, mais enfin bon, elle est quand même dans les clous de l'idéologie dominante. Elle n'a jamais tenu un discours raciste, ça vous pouvez être certain. Mais en fait, via... Elle a fait quelque chose, c'est qu'elle s'est fait connaître avec des, en chantant, on va dire, tout ce qui passe à la radio tout le temps. Des reprises de musique. Et puis finalement, après, elle est revenue, on va dire, à des chants bretons. Et moi, je connais trois nanas qui, à présent, sont identitaires et qui, en fait, le sont devenues via Nolwenn Leroy. C'est génial. Tu vois, ça, non, mais c'est pour dire. C'est alors que c'est même pas une meuf de droite. C'est juste quelqu'un qui, à un moment donné, a dit « Je vais faire de la culture bretonne. » Ça a marché, ouais. Ça a plu. Et en fait, de rebond comme ça, voilà, de suggestions, ah ouais, YouTube, alors, en là, suggestions YouTube, elles sont tombées sur moi. Alors, incroyable. Alors là, tu vois, pour une chanteuse mainstream, ouais, je trouve que c'est incroyable et je trouve que c'est super. Quoi. C'est ça, ouais, c'est bien ça, la ton preuve projet, que, il est intéressant. C'est bien la preuve que même, en fait, quand on fait du mainstream, si on fait du traditionnel, on peut attirer les c'est gens ça, vers nous. C'est ça, la culture. Après, mon but avec cet album-là dont on parlait, c'est pas... Il n'y a sûr, aucun but caché, ne serait-ce oui, que oui, caché derrière. Mais non, mais c'est génial. Et moi, j'ai eu les mêmes échos, mais avec Mano. Ah oui, exact. Ah, Mano, Panique Celtique. C'est vrai. La tribu de Dana, le fils du forgeron. Voilà. Ouais, c'est à vrai. L'époque où c'était plus ou moins plaisant. Quoi. Maintenant, c'est pas terrible. Mais, C'est vrai, c'est vrai. Mais on comprenait pas pourquoi on aimait ces petites musiques à l'époque. Bah, c'est parce que déjà. Parce que ça parlait aux blancs. Mais oui, ça simplement. Tout simplement. Moi, ouais. À l'époque de la sortie de Panique Celtique, je devais avoir une dizaine d'années et je n'aimais pas le rap. Et quand j'ai vu le clip et Bignou, les cornemuses et tout, et les paroles super sympas, quoi, et tout, j'ai trouvé. Et même musicalement, bon, c'est une reprise de Alan Stivell. Ouais. Mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mano, c'était super à l'époque. En tout cas, si tu arrives à faire renaître cette culture de ton département, de ta région, c'est fort. Et puis vraiment, ça n'existe plus, quoi. Je veux dire, il n'existe même pas... De version enregistrée ? Non, il n'existe même pas d'association pour la défense de la culture artésienne et des traditions artésiennes. Ouais. Il existe des associations locales dans les villes et les villages qui maintiennent les traditions des villes et des villages. Oui. D'ailleurs, on a des traditions très prononcées à Arras et chez nous, puisque c'est des traditions à moitié germaniques, puisqu'elles viennent de Flandre, et le reste qui nous vient de la côte et de la Picardie. Et oui. C'est très germanique par chez nous. Hein, le Pas-de-Calais, en fait, et la Flandre, c'est très germanique. Hein, même les gens, hein, même les noms, même il y a beaucoup encore de traces comme ça. Et nous, par exemple, à Arras, on avait un carnaval et on sort les géants. Mais c'est comme la Belgique. Tout à fait, j'allais te parler de ça. Une fois, j'ai assisté au carnaval de Dunkerque. Oui, j'ai trouvé génial, ça fantastique. Bon, donc, il y a encore un peu une coutume qui existe quand même dans le Nord. Bien sûr. Alors, à Arras, elle a disparu puisqu'ils nous ont supprimé le maire. Le maire est un maire centre-droit qui est là depuis peut-être une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Il me semble que c'est lui qui a fait ça. Bon, centre-droit, homosexuel. D'accord. Je précise parce que il a le droit. Mais je le précise parce qu'il y a des influences, puisque depuis qu'il est maire, on a eu l'émergence d'un lobby LGBT dans une toute petite ville comme Arras. Quoi. D'accord. L'association qui maintenant a pignon sur rue, ils ont un bistrot qui fonctionne très bien. Il y a une gay pride dans ma ville. D'accord. C'est incroyable. D'accord. Ouais. Donc voilà. Bon, oui, ça compte. J'imagine que vous poursuiviez pas les homosexuels à coup de lance-flamme avant. Mais quoi. Non, mais ma ville est une ville plaisante. Ouais. Et jamais personne n'a eu de problème là-bas. Enfin bon, c'est pas le souci. Donc ce maire, si tu veux, il a fait disparaître le carnaval des rats, qui était le carnaval à Arras. Mon Dieu, mais sous quel prétexte ? Aucun prétexte. Ils l'ont supprimé comme ça. J'étais petit, je m'en rappelle. J'ai cherché même sur Internet récemment pour trouver des traces, parce que je me disais, quand même, ça a dû être débattu au conseil municipal ou quoi que ce soit. Absolument rien, aucun article. Rien. Il faudrait vraiment que j'y aille moi-même au conseil municipal pour demander, tu sais... On parlait de déculturation, mais c'est vrai que moi, un truc qui me fait mal au cœur, c'est que quand j'étais gosse, j'ai 33 ans, et jusqu'à 13-14 ans, il y avait le carnaval, même à Grenoble. Les enfants fêtaient Mardi Gras. Ah, et je vous assurais qu'en février, il ne se passe plus rien. Et que maintenant, on fête Halloween. Remonte dans la grande tradition européenne, Halloween venait de l'Europe. Sauf que la version d'Halloween qu'on fête est très commerciale. Elle est plus commerciale du tout, et américanisée. Bien sûr. Elle est américanisée, mais moi, je trouve que ça va encore, puisque c'est une fête qui, à la base, nous vient d'Angleterre, d'Irlande, tout ça, de ces pays celtes. La citrouille, la symbolique, et c'est encore assez similaire à ce que c'était, à mon avis. C'est un rebond culturel qui n'est pas parmi les plus déplaisants. Voilà. Moi, je trouve que, par exemple, Noël est beaucoup plus déplaisant que Halloween. Puisque le Père Noël rouge, Coca-Cola, merci, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Ouais, c'est vrai.
chez nous, c'est pas le Père Noël, voilà. Et puis surtout, il était pas rouge. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il était vert, bon. On va dire les Européens ethniques se sont vraiment appropriés Noël et c'est quand même une fête qui est purement, on va nous dire l'a maintenant. Imposé, hein, quand c'est même. Vrai, c'est vrai. Nous, on n'était pas nés. Oui, mais oui. Si tu demandes à tes parents, tu vois qu'on l'a imposé. C'était une communication, quoi. Et dans les pays volonté, qui sont encore pieux, je sais parce que j'y suis maintenant, dans les pays orthodoxes, Pâques a beaucoup plus d'importance que Noël, en fait. Même en Allemagne, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en Allemagne, ils ont Saint-Nicolas, il me semble aussi. Donc, c'est le 8 décembre, non, le 6 décembre, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas te dire. Donc, c'est un Noël avant l'heure, mais qui est très ancré, très enraciné dans la culture. Mais effectivement, en fait, plus on va vers l'Est, et plus les traditions sont présentes. Et en France, en fait, les traditions n'existent quasiment plus, sauf chez les gens qui pratiquent les catholiques, on va dire. Mm-hmm. Et chez les gens qui essayent de faire revivre des traditions, oui. ou de faire revivre du folklore même, ce qui est encore plus dur que faire revivre une tradition. Puisque les traditions sont censées ne pas être mortes. Oui, c'est bien sûr, continuité. Bien sûr. Donc, bien sûr, ouais, tout à fait. Mais en France, en fait, les seules choses qu'on respecte, c'est les jours fériés, les jours fériés, les traditions républicaines, en fait. C'est les seules choses qui sont respectées, qui fonctionnent en France. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable, la fête de la Fédération, enfin le 14 juillet, par exemple. Ouais. Bon, ouais, c'est tout, c'est moi j'aime comme bien, ça, j'aime bien les jours de fête parce que ces jours de rassemblement, c'est voilà, main dans la main, la nation, le sang, enfin plus maintenant, mais moi c'est ça quoi. Et puis le fait de rencontrer tes semblables, tes voisins, tes frères, tes voilà. C'est, moi, j'en ai pas des rabat-joie, c'est juste qu'il faut voir ce que les fêtes veulent dire. Moi j'adore ça, mais malheureusement les fêtes ne veulent plus rien dire. Fête le 14 juillet, la fête de la Fédération, bon, les gens vont voir le feu d'artifice, ils savent même pas pourquoi. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est sympa, c'est bien, mais moi ça me fait mal de fêter une fête républicaine. Bien sûr. Bah, dans une manière analogue, la fête de la musique pourrait être une très belle chose. C'est une saloperie. mais ce que ça en est aujourd'hui. La fête de la musique, et j'en parlais, bon, c'était il y a peu. Ouais. Donc j'en ai parlé justement avec des gens. Et, bon, j'ai un point de vue assez tranché sur le sujet. Alors tous les ans, je vais y faire un tour. Hein, je suis déçu tous les ans, comme d'habitude. J'y fais un tour, mais quand je peux. En fait, le souci de la fête de la musique et de Jack Lang, qui est une véritable saloperie aussi, c'est lui qui a imposé la fête de la musique. La fête de la musique tombe le jour du feu de la Saint-Jean. Et le feu de la Saint-Jean, qui est le feu de la Saint-Jean pour les catholiques, mais qui est le solstice pour les païens. Ouais. Donc, bon, le but, il est clair. Ouais, but, il est d'éloigner les gens des feux et du bûcher, des catholiques et du paganisme et de l'Europe. En prenant une date symbolique. Exactement la même date, ils reprennent la même date, ils en font la fête de la musique. Et, voilà, et comme ça, ils détruisent les traditions. Moi, quand j'étais petit, bon, j'ai grandi une partie de ma vie au village. Au village, on n'avait pas la fête de la musique. On allait au feu de la Saint-Jean. Il y avait les tireuses, les pompes à bière, et tout le monde picolait autour c'est du fou, bûcher hein, jusqu'à pas d'heure. Tu es jeune et tu as vécu ça. Oui, bien sûr. En une génération, et ça part. Et il n'y avait que des Européens. Mm-hmm. Et c'était la tradition. Il y avait les catholiques qui étaient là, il y avait les gens qui en avaient rien à foutre, qui venaient pour picoler. Qui venaient pour faire la fête, les familles qui venaient voir le bûcher. Voilà, et on a mis la fête de la musique. Voilà, c'est pas pour rien. Ils ont mis la fête de la musique ce jour-là pour détruire nos traditions. C'est tout, c'est une évidence. Quoi. Sinon, pourquoi l'avoir mis exactement ce jour-là? Comment on vit aujourd'hui dans ta région? Est-ce que tu dirais que c'est un endroit plus préservé que d'autres? Est-ce que tu t'y sens encore bien? Tu peux être sincère, hein, si... C'est partout en France, il y a des endroits préservés. Ouais. Partout en France, il y a des endroits envahis et des endroits préservés. Dans ma région, il y a Calais. Mmh, c'est vrai. Bon, il y a Lille. Mmh. Lille, c'est comme Paris, c'est la même chose, hein, la même population. Peut-être un peu moins, c'est un peu moins exagéré, mais c'est pareil. Ma ville, il y a de plus en plus de l'immigration extra-européenne, mais il fait encore bon vivre dans ma ville. Ouais. Et il y a beaucoup de gauchistes, mais il y a beaucoup de blancs. C'est assez serein. La campagne autour, c'est calme. Voilà. Après, je suis pas très... il faut pas me poser de questions sur ma région ou sur ma ville, puisque je forcément, j'en suis. Forcément, ta région de cœur, bien sûr. Je suis un identitaire, donc moi, je pourrais mourir pour défendre ma région. Je quoi, comprends, vois, même si c'était vraiment... J'en suis amoureux, donc je vais pas dire du mal. Je suis réaliste, mais j'ai quand même un regard qui est un regard positif sur ma région. Ouais. Oui, donc je comprends. Donc en fait, de toute façon, même si c'était bien pire que ça, tu es attaché, tu es enraciné, tu n'envisages pas de partir. En tout cas, tu voudrais... Je ne l'envisageais pas, mais je t'avoue que comme je suis dans l'optique de fonder ma famille, comme tout le monde, tout le monde doit fonder une famille. D'accord, oui, bien sûr. Surtout, hein, je veux dire, c'est clair. Tout le monde doit fonder une famille. Merci de le rappeler, très important.
Ouais, ça coule pas de source pour beaucoup de gens, je trouve ça dommage d'ailleurs. Ouais. Mais avec ta compagne, vous envisagez peut-être. En fait, c'est moi, c'est pas elle. Moi, pour des raisons financières et aussi culturelles, je pense partir peut-être en Bulgarie ou même peut-être hors UE. Carrément. Ah oui, d'accord. Peut-être, oui. Peut-être. Hein. Pour l'instant, je cherche, je mets de l'argent de côté, mais il est pas. C'est possible que. D'accord. Dès que j'ai un enfant, il est fort probable que je parte. Ouais. D'accord. Donc, à travers l'art, tu voudrais quand même maintenir ce lien avec ta région de naissance et tes racines. Bien sûr. Mais tu n'exclus pas le fait de vivre ailleurs pour. Je n'exclus pas. Mais attention, je dis ça, mais il y a aussi 50% de chances pour que je reste dans ma bien région. Hein. Non, mais c'est, tout à fait. Il faut bien comprendre. Pour l'instant, c'est une. Les amis, il faut bien comprendre qu'en plus, nous sommes deux jeunes personnes à l'échelle d'une vie. Et notamment, moi, ce que je vois souvent à l'étranger, c'est des Français qui me disent. De gauche ou de droite, qui me disent, tu verras, tu vas rester 15 ans à l'étranger, après tu vas revenir en France. Oui. Alors moi, je suis incapable de vous dire, ça se trouve, dans 10 ans, je vais revenir en France. Oui. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une réalité qui est cauchemardesque en France et on a ce désir c'est de vrai. La fuir, surtout pour mettre les nôtres en sécurité, alors, nos proches. Alors, moi, je... bien sûr, tu dis cette réalité ouais. cauchemardesque en France, c'est cette question culturelle et migratoire, mais c'est pas la raison première pour laquelle moi je me suis intéressé au white flight. D'accord. C'est une raison financière en fait. Ah oui. Tout simplement, puisque en France, si tu veux acheter une maison, bah, il faut 100 000 euros. C'est clair. Et en Bulgarie, il faut 12 000 euros. Ouais, ça c'est donc, vrai. Donc voilà, c'est tout. Ouais. C'est vrai qu'on oublie un peu dans nos milieux de rappeler l'essentiel, c'est qu'on a avant tout pas l'argent pour acheter mais en voilà, France. Alors quoi. Si tu veux, moi j'aime pas me décrire politiquement de gauche ou de droite ou anarcho machin. J'ai une pensée un peu on va dire ultra libertaire. Ouais. En fait, anarcho capitaliste un peu si tu veux. Donc d'accord. Moi je considère que l'argent c'est la liberté. Oui. Après je parle personnellement, je ne parle pas pour un État, pour un système entier. Je parle pour moi, ma condition. Pour moi, l'argent, c'est la liberté et la propriété, c'est la liberté. Quand tu es propriétaire, c'est pour ça que j'aime beaucoup les États-Unis sur ce point-là, sur la propriété privée, qui est fondamentale d'ailleurs. Et j'aimerais que ce soit le cas en France, mais ça n'est pas le cas. Pour moi, la propriété, c'est... alors, pour les gauchistes, la propriété, c'est le vol. Pour moi, c'est la liberté. Ouais. Et voilà, je pense que si, à partir du moment où si j'achète une maison, par exemple, en Bulgarie, peu importe où ailleurs, là, je serai vraiment serein. C'est quoi. Ton chez-toi, chez moi, etc. Et à partir de là, je peux faire ce que je veux. C'est ma base d'opération. Parce que actuellement, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Non, mais tu as raison de rappeler l'essentiel. Beaucoup de jeunes la plupart des jeunes, en fait, sont dans cette position. Et il y a l'économie, il y a les fonds, et il y a aussi le travail, ouvrir un commerce. Les gens qui essaient d'ouvrir un commerce en France, mais ils galèrent à fond. Parfois je connais beaucoup de gens aussi qui ont un peu fait fortune à l'étranger qui ensuite reviennent en France avec l'argent qu'ils se sont fait, donc il y a quand même ce désir de revenir hein. Je connais des gens qui ont fait la même chose et pour rebondir là-dessus cette histoire de white flag, je comprends qu'on puisse être contre, on dit c'est un abandon, on quitte le terrain et tout. C'est pas si faux, c'est vrai que par ailleurs, donc on n'est plus sur le terrain en France, quoi. Si demain ça chambarde en France, ben c'est on vrai, est plus même. Là. Mais comme la guerre est pas déclarée, c'est dur en fait. En fait, la guerre est déclarée, mais c'est pas une guerre physique, c'est pas une guerre militaire, c'est une guerre de... Voilà. Ouais. On est attaqué par des gens qui disent clairement, on va vous dominer avec le ventre de nos femmes. Ouais. Donc voilà, comment tu veux être en guerre contre ça ? C'est trop difficile. Bah, tu peux mener ta guerre individuellement, mais en tout cas, ça n'est pas déclaré à l'échelle du pays. Tu peux la mener politiquement, culturellement, mais tu peux pas la mener avec les armes ou avec la violence. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est problématique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une guerre, c'est du jamais vu ce qui se passe. Il y a toujours eu des changements de population, des immigrations. Sur l'histoire de la planète, il y a des empires, des pays qui ont disparu à cause de ça. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Oui. Mais historiquement, Rome est tombé. Hein. L'Empire romain est tombé parce qu'il était trop grand et parce qu'il n'était pas uni autour d'un même de quelque chose de central. Donc, de ce fait, moi je ne sais plus, je suis volubile. C'est très intéressant. J'ai perdu le fil, du white flight, mais je ne sais plus exactement pourquoi. Parce que tu disais que tu n'excluais pas le fait de partir à l'étranger et que le white flight avait une base qui était, avant d'être nationaux, qui était économique, c'est-à-dire aller dans des pays. Je connais plein d'amis qui vont en Australie, mais franchement, c'est pas par plaisir. Ils ont pas envie d'aller dans un pays où il fait 45 degrés à l'ombre et où on peut se faire tuer par un scorpion en sortant de l'aéroport. Ouais. Mais simplement, voilà, là-bas, il y a des jobs pour les mecs qui sont dans l'informatique, pour les qui sont cadres. Comme le Québec, par exemple. Exact, Le Québec,
Moi, j'ai des amis pareil qui sont au Québec. Hein. C'est, voilà, il y a énormément de gens qui partent. Je disais ça parce qu'en fait, si tu veux, je pense que quand on a notre système de pensée, quand on pense comme nous, je pense que il faut être à l'abri financièrement. Oui. Il faut être indépendant financièrement, avoir une propriété et, si possible, être son propre patron. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'est parce que sinon, tu peux pas vivre. Le système peut pas te tirer les oreilles et te dire voilà, ouais, maintenant voilà, tu fermes ta gueule, quoi. Voilà. Donc moi, je pense que chaque nationaliste identitaire plus ou moins oui, qui se respecte doit se fixer ce genre d'objectif. Mmh. L'indépendance. Ce que tu as dit sur la propriété privée est très intéressant. Je voudrais y revenir. Il faut bien que vous compreniez que lorsque vous voyez un blanc américain, ce sont des Européens ethniques. Parfois, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Parfois, je vois un Américain, je me dis, mais tiens, j'ai vu un Français qui a la même gueule. Mais dans la tête, c'est quand même très différent. Je me souviens d'avoir parlé de ce qui se passait à Calais à un Américain. Et notamment, j'avais montré cette image, tu sais, de cette famille de Calaisiens où des migrants étaient venus sur leur jardin et j'étais allé les interviewer, je ne me souviens plus leur nom, Gaël. C'est arrivé en Belgique aussi il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, un père et son fils, ils avaient sorti le flingue. Alors, c'était pas une carabine à plomb. Ouais, je sais même pas si c'était chargé, mais en tout cas, il y a eu ce geste de sortir une arme. Je m'en souviens bien. Et toute l'extrême gauche était montée au créneau, sale raciste, sale mec extrême droite, alors qu'ils étaient attaqués. Et j'avais montré ça à un Américain et qui était révolté, qui me disait, mais il aurait dû leur tirer dessus. Pour eux, c'est tu viens dans mon jardin, je te tire dessus. C'est mon jardin. En plus, t'es hostile, tu parles fort. Oui, là, t'es hostile, 40 personnes. Oui. Donc, je veux dire, il y a des limitations dans nos cerveaux en France qui ne sont pas normales. On croit qu'elles le sont, mais elles ne le sont pas. Elles le sont pas. Dans plein de pays, c'est une agression que d'aller chez quelqu'un. La propriété, c'est sacré. C'est sacré, ouais, bien sûr. Et ça devrait l'être. Et je pense, dans la même veine, que le port d'armes devrait être autorisé aussi. C'est sûr. Ouais. On ne va pas dans ce sens. Hein. On a vu qu'en Suisse aussi, ils veulent limiter. Ah bah ouais, mais les Suisses, ils peuvent voter pour tout, mais ils votent mal. Bon. Quelle erreur, ouais. Ouais, exactement. Bon résumé. Ouais. Non, mais c'est ça. Hein, les Suisses, ils ont le choix de tout et ils font que des conneries. Ils font que de la merde. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein. C'est. Ouais. Voilà. Bon. Effectivement, je me souviens de cette histoire-là. Ouais, effectivement, oui, c'est normal qu'un Américain te dise qu'il aurait dû leur tirer dessus, puisque ouais, la propriété privée, ça, ils ne comprenaient même pas la polémique. Ils disaient, évidemment, ils sont dans leur bon droit. C'est de la polémique de gauchistes. C'est ça, ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, l'ami, on a fait un éventail de pas mal de choses. Au final, on a très peu parlé de la musique. Enfin, moi, justement, j'allais te donner. Oui, c'est sur le ton de la discussion, mais justement, j'allais te donner la parole. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur le collectif? Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Et surtout, est-ce que tu as besoin d'aide? Comment peut-on t'aider? Comment peut-on te contacter? Voilà, si on veut aider ce collectif à réussir. Tu vas sortir un label, c'est un gros projet, c'est ambitieux. C'est vraiment un gros projet, c'est vrai. Si on veut nous aider, le mieux, c'est encore d'écouter nos musiques et de les partager. Voilà, ça, c'est l'aide qui pour l'instant nous est la plus nécessaire, c'est le partage, la notoriété, quoi. Pour l'instant, je pense que c'est ça. Après, si vous sentez d'acheter les musiques, eh bien, vous pouvez les télécharger, les acheter, voilà. Mais le plus important, c'est les partages. Ou alors, si vous êtes tenant d'un site ou d'une radio ou de quoi que ce soit d'autre, un média, et que vous souhaitez nous donner la parole, moi j'écris des articles, ou si vous souhaitez faire une revue de nos musiques, de notre album, ou une entrevue, moi je suis disponible et je me déplace comme là à Paris, ou je me déplace même plus loin. Voilà, je prends sur mon temps. Donc voilà, pour nous aider, voilà. Le mieux, c'est de partager nos musiques, les écouter, les partager. Est-ce que pour la production de tes albums, tu envisages de faire éventuellement un financement participatif ou bien demander des dons? Non. D'accord. Non. Alors, le financement participatif, moi, j'ai rien contre, c'est bien. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent nous aider, ils achètent nos musiques et puis ils donnent la somme qu'ils souhaitent. Mais je ne lancerai pas une cagnotte de financement participatif parce que je préfère faire les choses plus sérieusement, plus professionnellement avec les gens de mon réseau. D'accord. Et surtout, prendre ton temps. Et puis j'ai pas envie non plus de que ce soit négatif. Admettons, tu lances une cagnotte et puis t'as que 30 euros, bon, tu dis bon bah merci, c'est de la merde, je comprends, ouais. Donc ça veut dire que voilà, je préfère éviter l'échec et aller toi-même vers la réalisation des projets. Oui, parce que même si ça n'est pas un échec dans la tête des gens, ça restera un demi-échec. C'est pas faux ce que tu dis, ouais, donc c'est vrai. Voilà, on est assez bon en communication et donc voilà, on fait les choses correctement. D'accord. Dans la tête des gens, les choses restent bien, ça émane dans le bon sens, quoi. Tout à l'heure, on parlait de la fête de la musique. Est-ce que la musique que tu pratiques se prête à éventuellement des concerts? Ah, on me pose souvent la question. Ouais.
Oui, bien sûr. Tout genre de musique, tout genre musical se prête à des prestations en live. Ouais. Le souci, c'est que actuellement, bon, moi, je peux pas jouer tout seul parce qu'il y a trop de choses. Je peux pas jouer tout seul et chaque partie d'une musique, tu vois. Actuellement, c'est pas possible. Et mes collaborateurs, mes musiciens, généralement, sont pas en France. Ouais. Donc, si tu veux, de base, on pourrait pas se produire avec le même set de base, les mêmes artistes qui font les musiques. Ce serait pas possible. La seule chose qui est possible, c'est rassembler des musiciens ici en France ou dans ma région et retravailler les musiques, faire un set, etc. Ça, c'est totalement faisable. Mmh. On me l'a beaucoup demandé, mais j'estime que pour l'instant, on a trop peu de notoriété. Ce serait beaucoup de travail parce que c'est un retravail complet des musiques avec des musiciens, c'est énormément de travail. Hein. Oui, bien sûr. Pour l'instant, non. Je le ferai à terme puisque j'aimerais pouvoir proposer, par exemple, un genre de mini-concert sur Internet, un live. Quoi. Intéressant. Et pour les gens qui voudraient nous faire jouer ou qui voudraient voir ce que ça donne en live, etc. C'est un projet, mais pour l'instant, c'est dans les cartons. Quoi. D'accord, ouais. Oui, parce que tu sais, il y a pas mal de fois où des gens font des conférences et en même temps il y a un concert, ça permet à la fois de connaître un auteur. Oui, on me l'a demandé plusieurs fois. Il y a une logistique, on va dire, dans ton cas. Bon, c'est pour l'instant, c'est pas possible. Parce D'accord. que c'est pas organisé encore, mais à terme, ça se fera, bien sûr. D'accord. Est-ce que ton collectif a des liens avec d'autres groupes de musique, peut-être en Europe avec beaucoup de groupes. D'accord. J'ai des contacts avec 99% des musiciens de droite en France. D'accord. À part les brigandes, peut-être que j'ai jamais rencontré, à qui j'ai jamais discuté. Le reste, je sais où contacter les gens. J'ai déjà discuté avec la majorité des gens. Et j'ai énormément de contacts aussi avec des groupes étrangers. Ah oui. Dans la musique industrielle martiale, je connais 90% des gens, même les plus connus, qui font ce genre musical. Ah, d'accord. Des gens à qui j'ai déjà discuté, parfois que j'ai même rencontré, ouais. Et dans d'autres genres musicaux aussi. Donc oui, j'ai pas mal de contacts. Ouais. D'accord, très bien. Bah, tout ça est très positif. D'ailleurs, on a sorti beaucoup d'albums numériques sur YouTube en fait, avant de sortir notre premier album en physique. Et là, il m'en restait un dans les cartons que je devais sortir, mais que j'ai toujours pas sorti. D'ailleurs, j'ai toujours pas le titre, mais je pense qu'il s'appellera Collaboration européenne ou Fraternité européenne peut-être. D'accord. Et c'était un album qui chaque musique est une collaboration avec un autre artiste. Ah. Donc il y a un ou deux Français, mais le reste c'est que des Européens quoi. Et il doit y avoir au moins 30 musiques quoi. Pour te dire, tu vois, les collaborations et trucs. Vraiment, on a donné quoi, et on en fait le plus souvent possible. Tous les mois ou tous les deux mois, je mets un message sur Facebook. Je dis, si vous êtes musicien, vous voulez collaborer, vous m'envoyez un message, vous me faites écouter. Moi, je suis ouvert à toutes les collaborations. Quoi. D'accord. Ouais. Je pense que c'est la clé de la réussite du mouvement contre-culturel qu'on souhaite lancer. Ouais. C'est que les gens s'unissent. Quoi. S'il n'y a pas d'union, alors surtout à notre niveau, nous qui sommes des producteurs, etc., s'il n'y a pas d'union chez nous, il n'y aura pas d'union chez les gens qui consomment. Quoi. C'est sûr. Hein. Il y a du travail. Hein. Mais en tout cas, oui, à chaque fois que tu auras une production, un nouvel album, n'hésite pas à m'en parler. J'en ferai la promotion. Parce que je te l'enverrai de toute façon, l'album. Moi, je vais te dire, en tout cas, pour être franc, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est gentil. Je trouve ça très original, en particulier dans nos sphères. On manque de musique et de ce genre de musical. Oui, parce qu'on a de plus en plus d'écrivains. Alors, on a beaucoup de plus en plus de musiciens aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est ce qui est encore minoritaire chez nous. Enfin, non, ce qui est minoritaire, c'est les réalisateurs et les gens qui font du cinéma. Ah, sûr, parce que ça coûte plus d'argent aussi. C'est toi qui as fait passer une entrevue à Gérard Boyadjian. Ouais, tout à fait. Génial, ce mec. Mec est super. Il a du second degré à revendre. Il fait un travail incroyable. On a besoin de gens comme ça. C'est mec qui est génial. J'ai pas pris contact avec lui, mais il est possible qu'à terme je lui propose, s'il a besoin de musique ou quoi que ce soit. Ce mec est génial. D'accord. Moi, en tout cas, j'apprécie ses publications. Super, il sera content parce qu'il regarde. Et je pense que d'ailleurs, on manque de. Il nous faut des films, il nous faut des courts-métrages, il nous faut des clips, il faut. Je crois que c'est ce qui manque vraiment. Quoi. C'est la musique. C'est vrai. Faire passer nos idées prisme. Et quitte à perdre de l'argent pour en faire la promotion et tout. Quoi, tu vois. Moi, je m'en fous de brûler 500 euros pour faire la promotion de mon album. Même si ça m'en rapporte que 100. Tu vois. C'est la guerre. C'est la guerre. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mmh.
Et les Français ont du mal avec l'argent. Même les gens de chez nous sont dès qu'il y a des histoires d'argent, tout de suite, c'est... Oui, alors qu'en plus, quelle hypocrisie, par exemple, dans le domaine de la musique. Je connais plein de gens qui ont un don de création. Et tant qu'en fait, ils sont dans une production amateur, personne ne les écoute. En réalité, quand on achète des CD, on aime les CD pro. Qui aime acheter un CD avec un son merdique? Qui aime regarder un film où il y a des défaillances techniques, où la caméra, elle tremblote? Personne, en fait. Sauf si c'est conceptuel et que c'est voulu. Voilà. Mais en général, c'est rare. Quand on... il faut singer en fait ce qui marche en termes de grammaire cinématographique et musicale et y mettre notre touche. Mais c'est toujours comme ça. On est comme ça. On aime ce qui est pro. On aime ce qui a une belle gueule. Bien sûr, surtout, et ça, c'est je sais pas, quand vous regardez TV Liberté, faut bien que vous compreniez qu'il y a des belles caméras. Il y a une meilleure caméra que ce qu'il y a là. Derrière la caméra, il y a des gens qui sont payés. Voilà. Parce qu'ils ont un budget de plusieurs dizaines de millions. Mais c'est normal. Du budget. Il faut des choses comme ça. Ouais. Bien sûr. TV Liberté, ils font un travail incroyable. C'est politiquement, c'est pas ma ligne, mais ils font un travail incroyable. Ouais. C'est avec toi qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, parce que t'es passé sur Radio Liberté. Oui, il y a pas longtemps. Avec Philippe Randa et Roland Henny. Exact. Ouais. Ce sont des gens géniaux, qui sont des militants de toujours. Il faut qu'il y ait une jeune génération qui émerge. C'est ça. Ouais. Et avec les capacités de la jeune génération, c'est-à-dire une bonne communication, qui manie les réseaux, qui manie l'informatique et tous ces moyens de l'énergie, production. La connaissance des mouvements actuels qui fonctionnent, musicaux ou cinématographiques. Voilà, et qui aussi apporte de l'eau fraîche au moulin du nationalisme. Tu vois ? Très bien. Je pense. Hein. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci de ta présence, de ta créativité. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité, de permettre de parler de notre collectif et de ce qu'on va faire. Je pense que j'ai abordé la majorité de nos projets. On a vu pas mal de choses. De toute façon, si les gens sont vraiment intéressés, on nous trouve sur Internet facilement. Je vais agrémenter l'interview aussi de deux ou trois moments musicaux que tu as composés, bien sûr, histoire de donner l'eau à la bouche. Et puis moi, on peut me contacter à toute heure du jour, de la nuit. Je suis disponible et motivé pour les projets d'envergure. Ah si, j'ai une dernière chose à dire. C'est pareil, c'est un projet culturel que j'ai en tête. Alors, il y a quelques temps, il y a un musicien de musique industrielle français, parce qu'il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de groupes de musique industrielle en France. Mm-hmm. C'est très français, allemand, italien, c'est très ce secteur-là, voilà, qui est venu me parler et il m'a dit que, en fait, il voulait réaliser un genre de clip, en fait, un genre de live où est-ce que lui et moi et d'autres personnes, on jouerait nos musiques, donc dans le genre industriel, bien sûr. Un genre de clip, quoi, et un clip pas politiquement correct, quoi, où on ferait, où on montrerait, voilà, nos idées, notre fibre, notre famille de pensée, sans détour, quoi. Mais pas en jouant les Gogol 88, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas des débiles mentaux non plus. Et donc, il m'a donné cette idée-là, et en fait, récemment, j'y ai repensé, et j'aimerais faire la même chose, mais en fait, quelque chose de beaucoup plus poussé, avec deux autres groupes, et un genre de court-métrage musical, d'accord, qui soit mi-clip, mi-live, mais un court-métrage, et qui en fait explicitement on met les pieds dans le plat et on attaque la gauche directement. D'accord. En fait. D'accord. Parce qu'en fait il y a beaucoup d'antifa en France et de gauchistes qui pensent que la musique industrielle leur appartient et que c'est à eux et que voilà, et avec leur truc d'antifa à la con qui mettent dans leur musique, etc., ils pensent, alors qu'ils sont très peu nombreux. Bon, bah moi je pense que il est temps d'engager le combat culturel, mais aussi d'une manière physique, d'une manière totale, quoi, radicale. Donc en fait je souhaite produire cette chose là alors le support reste à définir. Moi, j'aimerais le faire sur cassette VHS. Maintenant, voilà, tu vois, bon, après, bien sûr, ça finira par couler en DVD et à se retrouver sur Internet, d'accord. Mais le premier G, en tout cas. Et moi, je veux... Alors, bien sûr, c'est l'investissement. De quoi tu as besoin, en fait? Tu lances un appel? C'est pas vraiment un appel, j'en parlerai sur les réseaux. Ouais. Ça peut s'ébruiter, les gauchistes peuvent être au courant, les gens concernés peuvent être au courant, tant pis, ça finira par leur arriver en pleine tronche de toute façon. Ouais. Donc voilà, le but c'est de produire ça, donc sur un support, moi j'aurais préféré cassette, mais ça peut être DVD ou même sur Internet. Et bon, bien sûr, je vais devoir brûler de l'argent puisque c'est quelque chose que je dois envoyer à toutes les milices de gauche, à tous les groupes d'extrême gauche, au machin, etc. Et donc en fait, voilà, le but c'est de lancer la bataille culturelle, mais d'une manière un peu plus physique et concrète que en ne publiant que des musiques. Là, on les vise directement. On les prend à partie. Il va y avoir un discours qui leur sera adressé dans le clip. Ça va être voilà.
en leur disant on est là et on va vous expulser du terrain culturel. D'accord. Voilà, si personne, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait actuellement. Bon, il y a eu ces dissensions dans la musique skin, dans le rock, etc., il y a 15, 20 ans, mais dans la musique industrielle, ça n'a jamais, fait, ça n'a jamais été fait. Et d'un point de vue général, ça n'a pas été fait, ni en France, ni ailleurs d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est. Autant c'est quelque chose de nouveau, et autant je pense que c'est nécessaire. Ouais, c'est une sorte d'agressivité créative, ça, c'est marrant. Il faut les expulser. Il faut expulser l'extrême gauche de ces milieux et adresser un message en disant la culture, ce n'est pas quelque chose de gauche. Mm. Vous pensez que ça vous appartient, mais ça ne vous appartient pas. Mm. Et nous, on n'est pas sponsorisés, on n'est pas financés, on n'a pas d'argent, on s'est suicidé socialement, on n'a rien, on n'a aucune aide, mais on va faire plus beau, plus grand que vous, et on va vous renvoyer d'où vous venez. Je crois que le plus insupportable avec les gauchistes, c'est qu'ils se croient encore être des rebelles. Et ça, c'est vraiment le plus désagréable. Ah, parce que la vraie rébellion, c'est nous. Mon Dieu, c'est... C'est-à-dire, tous les trucs du rebelle, on les a, en fait. On est exclu, on est poursuivi, voilà. Moi, je me considère, quand je discute avec les gens, je dis, moi, je suis un punk. Ah bah oui, non, mais c'est au sens strict, c'est le cas. Mais eux se voient toujours dans le rôle de la contre-société, alors qu'ils sont en plein dedans. Et ça, c'est soit de la bêtise, soit du mensonge. Ils sont en fait les petits pions, les petits soldats, les petits garants du système, sans s'en rendre compte. C'est incroyable. Et ils pensent être des rebelles. Ouais. Ils pensent, alors qu'ils sont subventionnés, ils sont antiracistes, ils sont antifascistes, ils sont tout comme le système, quoi. Et en plus, quand tu regardes les financements, bon, quand tu sais que le parti de l'extrême gauche est financé par Soros, tu dis, bon, d'accord, voilà. Et ceux qui le savent et qui en jouent sont vraiment les pires ordures. Jouer les anarchistes, c'est vraiment insupportable. Oui. Après, tu l'as remarqué, tu l'as vécu, il y a de plus en plus de gens de gauche qui viennent chez nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, l'inverse, c'est vrai, n'existe pas, par contre. Les gens de droite qui vont à gauche, ah, ça le n'existe chemin pas. À l'envers, c'est très rare. Moi, je ne l'ai jamais vu. Alors, pour être tout à fait franc, moi, je l'ai vu quelques fois avec des mecs qui, on va dire, sont devenus des canards avec des gonzesses. Voilà, pour des femmes. Pour et des on femmes. Les a perdus à tout jamais. Ouais. Bah, ce sont des faibles. Ouais. Ce sont des faibles. Ils se font dominer par des femmes. Bon, bah voilà, à la rigueur, tant mieux, ils sont retournés là-bas, quoi. Ils méritaient pas d'être avec nous, quoi. C'est vrai. Ben écoute, merci encore et surtout merci à toi, au-delà de ta créativité, merci pour ton énergie, ça fait du bien, ça change. C'est normal, voilà. C'est pas un jeu ou un rôle. Très bien, je mettrai les liens en fait pour écouter les musiques composées par Rémi et par le collectif Teuse et les moyens de le contacter, voilà. Dis-moi. Ah, c'est pareil. Alors, de ce fait, je repense à des choses. Effectivement, on ne produit pas que de la musique, on produit aussi de l'art graphique, donc on produit des visuels. Je ne sais pas si tu as vu, on a publié quelques visuels. On a un peintre aussi dans le collectif, donc il y a un peu de peinture, il y a des affiches. D'accord. Voilà, on produit aussi de l'art graphique, des vidéos. Non, c'est pas que de la musique. Et voilà, ça, c'est disponible quand même sur le site. On les voit pas sur le site actuellement, puisque bon, il est sorti, mais il n'est pas à jour, il faut qu'on mette une galerie, etc. Mais on peut trouver sur nos pages, etc. On les voit. Voilà, on peut trouver de toute façon sur internet, hein, sur Bitchute, on voit nos créations. Oui, on a focalisé pour le son de musique parce que t'es compositeur. Voilà, mais tout ce qu'on produit quand on sort quelque chose, c'est quelque chose d'original et quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Je reprends très rarement des choses faites par d'autres personnes extérieures au collectif, quoi. Je comprends. Donc voilà. Ben merci à toi, merci à vous les merci amis. Merci encore. J'espère que cette émission vous a plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle émission. Vive la France, vive l'Europe, les amis, à bientôt. Vive l'Europe.